Oui, c'est bon, j'arrive, c'est bon, voilà, c'est bon. Excusez-moi d'avoir 2 minutes 43 secondes de retard. Pardon, hein, excusez-moi, je croyais qu'on n'était pas aux pièces, qu'on c'était un petit moment de convivialité, qu'on était là tranquille, qu'on était là pépère, qu'on était là chill. Salut les pépères, salut les mémères, j'espère que vous allez bien. On va commencer, voilà, ça arrive. Est-ce que mon micro marche? Oui, mon micro marche, il y avait des petits problèmes tout à l'heure, mais c'est bon. Ce soir, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, évidemment, hein, vous savez, moi je suis quelqu'un de routinier, je suis quelqu'un qui aime la stabilité. On va faire du satisfactoire. Encore. Avant de vous faire le résumé de l'épisode précédent, je vais saluer les habitués du chat. Je vais dire bonjour. Tiens, je vais commencer là à Frédégonde, à Gloutoun, à Dark Waffles. C'est toujours les mêmes à qui je dis bonjour en premier, j'ai l'impression. Dark Waffles 79, à chaque fois je dis bonjour en premier, je sais pas pourquoi. Salut Rotoclap, salut Eraser Monolith, Nobby de Noblesse, Jerek Full Throttle, Ashcrew, je vois Adrien B, Bark Ditrox, Rentemblon, Lucheria, Suron Noir, Grey Hunter, Lupus 7, Les Larmes du Stick, Le Prêtre Volant, Patil, salut Patil, Cop, Fletcher, Xarfu, Mingouzien, Oli, Capware. Le Hobbit Slify, Steph Dave 42. Oui, je suis en retard, désolé, désolé. Banana Coco, Lirael, Ocharia, 8-Bit Citizen, Frozen Wheel, Fittetete. Quelqu'un qui s'appelle Fittetete. Racle Zub, Philobates, Kazarja, Masca 001, Lord Disease, SK, salut. Salut, Royrim 03. Merci Plitru d'être pris un abonnement de niveau 1, 7 mois d'abonnement consécutif. Merci pour la fidélité, ça fait chaud au cœur. Et je veux ensuite dire bonjour à Darkanta, Nimbarbu, Sèche Sèche, Mingouzienne, KBT, Ilaen et Maglia. Et on va y aller. Parce qu'on a du boulot. Hop, 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 comme on a du boulot. Donc, résumé de l'épisode précédent, la dernière fois. J'avais monté une chaîne de production de turbomoteurs et, comme une énorme merde, je m'étais planté dans mes calculs et j'avais mal fait mes petits calculs. Ils sont où mes petits calculs? Ils sont là, tac 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 tac. Voilà, alors je les ai refaits et j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien parce que avant je prévoyais d'installer une seule façonneuse de turbomoteurs. Maintenant, je vais tenter d'en installer 2, et techniquement c'est possible, même s'il faudra faire des lignes de production supplémentaires. Donc je suis reparti pour au minimum 15, 20, 30 heures de jeu, là, à vue de nez. Mais comme ça, ça sera mieux, comme ça on aura 2 fois 1,875 turbomoteurs par minute. Et ça, je sais que ça vous excite. Voilà. Je sais que vous vous dites, oh ben demain c'est lundi, je reprends le boulot, je suis pas content. Mais d'un autre côté, s'il pouvait y avoir dans l'usine de ProGamer 2 fois 1,875 turbomoteurs, ça serait quand même vachement cool. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors pas ce soir, hein. Là il y en a pour trop de boulot. Ce soir on va essayer d'installer ça d'abord. Et puis ensuite on verra si on a le temps d'installer ça, mais ça me paraît assez chaud. De toute façon ça pourra pas fonctionner parce qu'au niveau production, il va manquer un petit peu d'alclad, il va manquer un petit peu de moteur. Mais on va déjà poser les bases du truc. J'ai fait aussi plein d'optimisations ce matin et cet après-midi, j'ai joué comme une brute, j'étais in the zone toute la journée, c'était merveilleux. Et donc, j'étais en caméra gauche, hop. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va y aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on installe? Je regarde, il faut qu'on installe. Oui, l'écran va sauter, hein, désolé. Pourquoi est-ce que je suis pas en bonne vue, là? Ah bah oui, je suis en capture écran. D'accord, capture écran, faut que je sois en game capture, capture écran. Voilà, ça va être mieux, ça va être mieux. Alors, il faut installer ça. Il faut que je trouve un coin du plateau orange. Oui, Steph, d'accord, je suis content que tu sois excité. Oui, pardon, j'ai pas dit bonjour à Rimac. Bonjour Rimac, je sais même pas s'il est là. Si, je l'ai vu. Bonsoir, bonsoir Rimac. Voilà, donc il faut qu'on installe 8 fonderies de cuivre. Et 11 constructeurs de tôle en cuivre. Je sais, c'est excitant. Ça, vous vous dites, pff, oh là là, on va passer une bonne soirée. Pour sortir 108 tôles de cuivre, pour alimenter 2 assembleurs de broyeurs qu'on fera ailleurs. Pour cela, il nous faut 242 cuivre. Ça, je me suis arrangé tout à l'heure. J'ai joué une petite heure pour faire un petit viaduc à 242 cuivre. Donc, ce qu'il nous faut, 8 fonderies de cuivre, 8 constructeurs de tôle. 11 constructeurs. 8 fonderies, 11 constructeurs. On y va tout de suite. C'est la fin. Je vous montre des trucs à l'écran alors que c'était même pas l'écran. Je suis nul. Je vous annonce aussi, je vais parler avec le micro en mute au moins 2 fois ce soir. Voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé, 2 fois, et je laisserai la mauvaise scène au moins 1 fois. J'espère que je vais m'y tenir. Alors, 8 fonderies, 11 constructeurs. Pim pam poum, on y va, c'est la folie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 constructeurs, on ne l'arrête plus. Et 11 fonderies ou l'inverse? Je vais vérifier. Non, 11 constructeurs, c'est ça, 11 constructeurs, 11 constructeurs. 8 fonderies, 11 constructeurs. Allez, 8 fonderies, 11 constructeurs,
8 fonderies, 11 constructeurs. Donc 11 constructeurs là et 8 fonderies. Pim pam poum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que j'ai tassé? Oui, j'ai tassé. Oui, j'ai tassé. C'est bon, j'ai même pas besoin d'aller chercher les petits trucs. Quand même. Ah, pourquoi est-ce que j'ai ma lampe d'allumée? Parce que j'ai appuyé sur B comme un con. Ok, d'accord. Alors. Vous vous souvenez que la dernière fois j'avais construit plein de trucs là-bas? Eh ben, j'ai tout effacé. T'as mis 9 fonderies. J'ai mis 9 fonderies. J'ai du rab. J'ai du rab. Ça, c'est le petit réflexe pro-gamer. Allez, c'est le petit réflexe pro-gamer. Faut que je construise 8 fonderies, mais je me mets quand même comme objectif d'en construire 9 parce que l'excellence est mon but. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais ça y était pas tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je sais qu'ils ont fait une update qui rajoute des valves et tout. Ça m'inquiète, ça. Non mais regardez-moi, regardez-moi. Enfin! Mais enfin! Non, ça y était pas. Hein. Ah bah oui, c'est dégueulasse, je suis bien d'accord. Mais ça y était pas, ça. Ça, je vous dis, ça c'est un bug d'update. Ça c'est alors atypique. Voilà. Merci les devs. Super. Non mais j'espère que j'ai pas ça partout là. Oh là, ça c'est dégueulasse. Attendez, là, du coup, je vais aller vérifier un petit coup, mais. Je vais aller vérifier un petit coup mes autres tuyaux là, parce que ça serait le drame. Attendez, tiens, je vais aller vérifier mes tuyaux à eau là-bas. Non, ça a l'air d'être bon. Alors ça, je suis sûr que ça y était pas. C'est la faute des développeurs. C'est l'update? Non, non. D'accord, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas fonctionnels. Il continue quand même de fonctionner. Ouais, il continue de fonctionner quand même. Oh non, là c'est chaud là. Non, non, là il nous faut un patch là. Là je dis non. Hein. Ah, je vais. Là j'écris à Macron. Hein. Là c'est pas possible. Hein. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais c'est ce travail de. Bon, alors après, c'est juste esthétique, hein. Ils ont réduit la taille des pompes. Est-ce qu'on leur avait demandé leur avis à ces comptes développeurs? Moi, les pompes, je les trouvais très bien. Merci, Another McGreen, d'avoir pris ton 10e mois d'abonnement. Merci pour la fidélité. Ça fait chaud au cœur. Sois-en certain. Ah non, alors ça. Alors là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On fait pas ça aux gens, voilà. C'est voilà. Il y a le confinement, la crise économique, la guerre en Irak, tout ça. Non, faut arrêter. Hein. On n'a pas besoin de ça, quoi. Bon, bah écoutez, c'est uniquement esthétique, donc c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, on prévoyait pas de bosser sur les tuyaux, pardon. Ouais, je suis à la limite de désinstaller 8-bit Citizen. Hein, là, ça me, ouais. Non, là, vraiment. Et donc, apparemment, ça touche que les pompes verticales. Non mais c'est que j'ai un paquet de corrections à faire là. Bah je voilà. J'avais quelques heures de libre demain matin, voilà ce que je vais faire. Oh là 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 là. Bon après il y a que ça comme OK. OK, c'est chiant mais c'est pas grave, mais c'est chiant. Mais c'est pas grave, mais c'est chiant. OK, on va pas se concentrer là-dessus, je vous rassure. Non mais c'est grave, c'est très grave, mais je peux le corriger hors stream tranquille voilà. Rentemploi qui demande si j'ai eu des trucs intéressants. Oui, j'ai eu un truc super intéressant. Au final, j'ai ramené 18 disques durs parce que j'ai encore fait un peu d'exploration de mon côté. Et j'ai eu enfin. J'ai eu ça là. J'ai eu. Ça va paraître. Voilà. J'ai eu la recette alternative des façonneuses d'unités de contrôle radio. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial parce que vous pouvez faire 375 UCR, ce qui est exactement ce que demande une façonneuse, avec seulement des broyeurs, des cristaux de quartz et des supercalculateurs, au lieu d'avoir utilisé des ordinateurs, des plaques de fer renforcées avant, ce qui était beaucoup plus complexe. Et là, en fait, vous voyez, j'ai une chaîne de production qui est quand même relativement simple.
pour quand même sortir, pour alimenter deux façonneuses de turbomoteur. Alors, elle est relativement simple parce que j'ai plein de trucs qui arrivent à gauche à droite, mais voilà, c'est quand même cool. Donc, ouais, j'ai au bout du 8e disque, je crois, j'ai eu celle-là, l'alternative unité de contrôle radio, et ça m'a. J'en avais les larmes aux yeux. Ça m'est arrivé ce matin vers midi, j'étais là, ah, j'en pouvais plus. Ok. Non, c'est comme ça qu'il faut que je sois. Voilà. Ok, alors. Pim pam poum. Ça, c'était un truc temporaire pour vider un tapis roulant. On va le dégager maintenant. Hop. 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 Oh, cela dit, je vais le laisser là. J'en aurai probablement un peu besoin ici. Donc, c'est pas sur ce plateau qu'on va travailler aujourd'hui. C'est sur ce plateau qui était rempli aussi avec des trucs permettant de faire des tôles de cuivre et des plaques de fer renforcées. Mais j'ai tout effacé parce que j'en ai plus besoin. Là, j'ai 240 de cuivre qui se ramène de la part de deux mines. La mine qui se trouve là et la mine qui se trouve là. J'ai joint leur tapis roulant ici. Et donc, il faut qu'on installe 8 fonderies, 11 constructeurs. Et il faut. Alors, 11 constructeurs, après, on va les mettre d'ailleurs. Tiens, les 11 constructeurs, parce que ça peut être éventuellement un petit peu chaud. 11 constructeurs. Les 8 fonderies ici, elles vont tenir ici. Mais les 11 constructeurs, j'ai un petit doute. Si, ça va tenir. Si, ça va tenir. On va les mettre. Tiens, on va faire un truc un peu aéré. On va en mettre un là. As-tu vu que maintenant tu mets des plots électriques au plafond? Au feu de Dieu! J'ai pas vu, j'ai pas suivi l'update, hein. Je vous avoue, je l'ai pas suivi du tout. Ouh là 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 là! Ouh, mais ça change tout! Ouh, ça c'est cool! Ça c'est cool! Alors ça c'est bien. Ça fait plaisir. Ça compense un peu le crève-cœur des teuillots qui sont partis en sucette. Ça, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme update cool? Si tu as l'update, tu peux aussi faire des échelles. Alors, attendez, ça doit être dans l'organisation, ça. Alors, j'ai pas ça. J'ai vu que j'avais les pompes ici. Elles sont les valves, voilà. Bon, limiter le débit des pipelines. Très bien, impeccable. Faut les acheter, ok. Ah, faut les acheter dans la boutique. Ah, les rats. Après, cela dit, les échelles, ça serait bien pratique pour accéder à mes étages. Je vais aller... Je vais aller regarder. Ah, vous me faites dévier de mon planning. Alors, ça va encore se terminer à minuit, et puis demain, vous vous lèverez, vous serez tout fatigué, vous allez m'accuser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les échelles sont classe. Faut les débloquer avec des coupons, dit Normand d'Ivoire. Ok, je vais les débloquer avec des coupons. Alors, où sont-elles les échelles? Organisation, à tous les coups elles sont là. Ouh, échelle d'usine. On y va. Allez, débloquez-moi ça, monsieur. Hop, hop, panier, tout acheté. C'est bon, j'ai les échelles. Hop, on remet. Je vais regarder au passage. Pff, j'ai rien en ce moment. Échelle d'usine, organisation. Ok, donc il y a un modèle d'échelle. Ouais, je vais faire un petit essai juste là pour voir si ça peut remplacer les hypertubes que je mets pour accéder aux étages. Ok, je suppose qu'elles sont stackables. Ouais, évidemment. Vas-y, continue. Ah, d'accord, ok, j'ai compris comment on pouvait les construire. Ok. Ok, je viens de comprendre, autant pour moi. Hop, donc on fait ça. C'est ballot parce qu'en fait les développeurs n'ont pas prévu qu'il y ait des programmeurs comme moi qui fassent des plafonds un peu hauts. Ils se sont dit si on s'en tient aux usines de casu, ça devrait suffire comme longueur, mais en fait non, c'est dommage. Après je peux les stacker, ok, d'accord. Bon, c'est moins classe qu'un hypertube, moi je trouve. Après vous dites qu'elles sont classe, enfin ça va quoi, ils se sont pas non plus ultra fait chier sur le modèle, hein. Ça c'est 12 minutes sur Blender. Hein. Après, je sais que vous, il vous en faut peu. Hein. Je l'ai vu quand on visitait les bases du Père Slurp, du Père Dralia, tout ça. J'ai vu que vous étiez facilement impressionnable dans le chat. Ça c'est vrai. Donc ça m'étonne pas en fait que vous trouviez ça absolument extraordinaire. Alors je vais être démagogue, hein. je vais aller dans votre sens parce que voilà, il faut toujours être d'accord avec son public. Oui, c'est vrai, c'est extraordinaire. Regardez, pff, là, il y a des reflets en temps réel et tout, c'est génial.
Ouais, alors après, est-ce que je peux la coller exactement? Je vais regarder ça. Alors pour l'update, en gros, nous dit le père Slurp, les nouveaux jump pads, la machine à packager l'eau, ça je m'en cogne, les échelles, ok, le support plafond de câble, et le fait que si t'es en train de tirer un câble, ça switch tout seul le type de connecteur sur le mur plafond, ah ça c'est cool. Les tuyaux MK2, les valves et les pompes de relevage MK2, 50 mètres de headlift au lieu de 20, ah ça c'est bien. Ah ça c'est bien les pompes MK2. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien, merci Mr. Slurp pour le résumé de l'info. Attendez, je fais juste un petit essai comme ça. Voilà, je la mets ici pour voir si elle clip. Voir si elle clip dans les fondations. Ouais, elle clip. Enfin, elle clip même pas, mais elle, ouais. Donc en fait, ça peut pas être flush quoi. Ça peut pas être parfaitement collé au truc. Bon, pourquoi pas. Je suis pas ultra fan. Ça va pas changer, ça va. En plus, je vais vous dire ce qui me dérange, c'est que je trouve que le modèle est vraiment très simple. Ils auraient pu rajouter, selon la longueur, vous savez, ces espèces de petits arceaux de sécurité que vous trouvez sur les échelles de grande hauteur, sur les pylônes, les trucs comme ça. Là, je trouve que vraiment, ils se sont pas cassés le cul, quoi. C'est... Ouais. Bon, ok. Ok. Salut, Paparino. Ok. Bon, c'est bien pour dépanner, mais je continuerai à faire des hypertubes qui ont quand même une autre gueule que ça. Voilà. C'est tout, qu'est-ce que je dirais. Alors, après ce petit interlude consacré à l'update, nous allons retourner faire du pro-gaming. Et on va prendre le petit... Il est où? Il est là. Hop. C'est Yaki qui dit merci Master Slurp d'aider un jeune joueur. On sait tous qu'il galère un peu. Ah là 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 là. Je le savais que j'aurais dû me lancer à l'international tout de suite. Que j'aurais pas dû faire les streams en français. Parce que je savais que les Français, avec leur. La France moisie avec son esprit étriqué et étroit, allaient pas être capables de comprendre ce que j'étais en train de faire. Voilà. C'est triste, c'est triste. Alors. Mais je vais m'y mettre, en anglais. Je vais, I will start to stream in English because it's not possible. And I think the American people need me in some way, you know. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11, comme on dit à Los Angeles. Je peux même en mettre un drap ici et en dégager un autre là-bas, ça sera pas plus mal. Ok, bah finalement ça va être tranquille. Hein. They need the no to win. Ça va partir en anglais avec un accent russe. Vraiment. Est-ce que je sais parler en anglais avec accent russe? Ah, ça je sais pas ça. This is a very... Bon, le riz, c'est bois, love, rose, quoi. L'anglais. This is a very... Non. This is a very... Non. Je sais pas. J'ai pas le truc. Je le travaillerai, promis. Je le travaillerai. 8 fonderies, maintenant. 8 fonderies. Elles sont ici. On va les alimenter ici. Bon, on va faire un beau truc un peu... pas symétrique, parce que c'est 8. Et ça nous arrangerait pas. On va faire... Si je la mets là, je crois que je vais faire une connerie si je la mets là. Oh, je peux l'avancer un petit peu même. Ouais, je vais faire un truc. Je vais la mettre ici, tiens. Hop. Toc. Toc. 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3, 4, ça sera parfait. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on en a 8? Eh ben oui, on en a 7, c'est parfait. Hop. Et... Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on était bien. Je vais vous dégager la liste parce qu'elle est sur le... Elle apparaît sur le chat, c'est embêtant. On en est où? C'est quoi l'objectif de la soirée? L'objectif de la soirée, c'est de vous expliquer que le pro-gaming, c'est pas uniquement faire des usines avec des poneys en 3D dessinés dessus. Voilà, c'est pas ça le pro-gaming. Le pro-gaming, c'est ce que je suis en train de faire et j'aimerais bien que vous... Vraiment que ça rentre, en fait. Une bonne fois pour toutes, que j'ai pas à chaque fois à me répéter, à vous dire...
que les usines m'as-tu vu, en fait, c'est pas du pro gaming, c'est du casu gaming dans toute sa splendeur. Je referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. Ok, on va d'abord faire l'alimentation. Donc Pépère, il va arriver là. Donc là, on fait un répartiteur de convoyeurs. Oui, je dis convoyeur. Qu'est-ce qu'on va le faire? On va le faire comme ça. Voilà, ça va être très bien. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Je me sens très en confiance ce soir sur ma construction d'usine. Et... Vous savez quoi, je pense que la chaîne de production pour les deux façonneuses de turbomoteurs est tellement belle, je pense qu'il va y avoir une erreur dedans. J'ai vérifié, revérifié à la calculatrice tout cet après-midi, et je me suis dit non, mais c'est pas possible, je peux pas produire autant avec aussi peu. Alors même si j'ai débloqué des recettes alternatives et tout... Je sais pas, je vais pas dire que j'ai un mauvais pressentiment, parce que je suis en confiance, mais je me dis ça va me tomber dessus. On va faire ça comme ça, hop. Regardez un petit peu. Regardez, ça c'est ce qu'on appelle du back building. Ça c'est vraiment un move de pro gamer. C'est-à-dire vous construisez en marche arrière. Et on peut même faire du air back building. Alors ça c'est encore plus complexe. Ah bah je le ferai tout à l'heure. Mais ça, ça c'est très très fort. C'est extrêmement fort. Ok. Ok, on est bien. On est bien. On est bien. Et on est bien. Donc toutes ces petites choses, elles vont me faire du lingot de cuivre. On y va à la main, sans utiliser des modes de triche qui ont été utilisés par d'autres personnes présentes sur le chat. Je vais pas citer les noms de The Mr. Slurp, de Draelia, tout ça, hein, parce que ça me ferait de la peine, je voudrais pas non plus... je voudrais pas les doxer, quoi, mais voilà. Agbu, ne montre pas tes craintes, ce n'est pas programmeur, dit Belgium Soldier. Salut Belgium Soldier. Il faut qu'on joue à Rocket League, hein. En ce moment je fais beaucoup de 3v3, mais il faut qu'on joue en 2v2. Je suis nul en 2v2 en ce moment, je te préviens. Non, mais alors non, ça c'est aussi quelque chose que je répète à tous les streams. Le programming, c'est aussi savoir accepter de faire des erreurs, parce que ce qui ne tue pas un programmeur le rend plus fort. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que je fasse du groupeur de convoyeurs. On va faire un truc un peu symétrique quand même ici, ce sera plus joli. Tac, tac. Tac. Je pense que là ça va être bon. Est-ce qu'on est symétrique? Oh, j'ai un doute. Non, on n'est pas symétrique. Wir sind nicht symmetrical. Oui, je parle aussi couramment allemand. C'est un de mes nombreux talents. Là, est-ce que je l'ai pas remis exactement au même endroit? Si, je l'ai remis au même endroit. Je suis con que bête à manger du foin. Hop, hop. Groupeur de convoyeurs. Ici, ça serait symétrique? Ouais, c'est symétrique là, ok, d'accord. Salut Atomic Gymnast. Oula, Rentemplant me dit, pour ton information, l'émission La Maison France 5 va s'arrêter, t'as un créneau. Ah oui, ah moi je fais La Maison à Gbou, je peux dire que ça va être autre chose. Hein. Je vais visiter que des taudis. Ou alors, je visite des maisons de riches, mais je les visite de manière un peu menaçante. Par exemple, je leur demande... ah, il est beau ce salon. Est-ce que c'est là que vous allez vous cacher quand la révolution arrivera, hein? Ou effectivement, vous avez un beau jardin, mais vous avez pas peur que les révolutionnaires arrivent et plantent leur tente dessus quand l'heure sera arrivée? Ok, on est bien. Ouais, je devrais faire ça. Je vais les proposer. Cela dit, c'est con que ça s'arrête. C'était une belle émission. Hein. On verra plus les fabricants de coussins à 150 €. Les gens qui vous posent un mètre carré de parquet pour 8 000 €. Ok. Je vous l'ai dit, je suis dans la zone. Hein. Ah là, mais je suis... Mais alors, tant la zone, alors, d'une force. Parce que j'ai beaucoup joué aujourd'hui. Hop. Hop. Ok, j'ai pas fait une seule erreur pour l'instant. Je suis tellement chaud, je vais faire l'électricité directe. Voilà, je sens que rien ne peut me résister. Merci Bismuth11. Merci pour le soutien Bismuth11. J'espère que qu'après 3 mois d'abonnement, tu te plais bien dans cette communauté. Même si le chat, comme tu l'as vu, est particulièrement hostile. C'est dommage franchement. J'y réfléchissais tout à l'heure. Je me disais c'est dommage que j'ai pas le chat que je mérite. Ça franchement, ça c'était une cruelle désillusion. Je me suis dit on va se retrouver entre gens. Il va y avoir de la culture, ça va vraiment être cool. Et puis ben non, en fait ça a pas été le cas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, j'ai envie de dire, ça passe le temps quand même. Ok, l'électricité est là.
Est-ce que je fais passer un fil ici? Ouais, je vais le faire passer là. Je vais le faire passer là. On va en mettre un sur deux. Non. Hop. Tac, 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 tac. Tac. Et tac, tac, tac. Pour terminer, vous aviez deviné hein, que j'allais terminer par un tac, tac, tac. C'est 4, oui, c'est ça. Hop, 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 hop. Hop, oh là là, je mets l'électricité avant de terminer mes chaînes de production. C'est vous dire un petit peu à quel point je me sens en confiance, à quel point je maîtrise le jeu. Ça, c'est vraiment une... C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Le Steam GeoGuessr a laissé un vide dans nos cœurs. Bon, on en fera du GeoGuessr, on en fera, vous inquiétez pas, on en fera plein. Vous pourrez me critiquer parce que je sais pas où est le nord et je sais pas où est le sud, ou que je suis pas capable de placer Montpellier sur une carte. Ne vous inquiétez pas. Alors évidemment, peut-être que je devrais arrêter d'en faire parce que bon, en ce moment j'ai quand même beaucoup de projets. Je vérifie si c'est droit quand même, j'ai pas vérifié. Ouais, c'est ça. Beaucoup de projets, vraiment j'ai une vie qui va à 100 l'heure en ce moment. Hein. C'est un peu la folie, folie en permanence. Attendez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, ok. Où ça, faut que ça soit aligné. Où c'est aligné? Oui, j'ai plein de projets. Ben, je vous en ai parlé, un projet avec Barack Obama, dans l'humanitaire notamment. Et dans les boîtes de nuit, on a des trucs assez sympas qu'on vous prépare là. On va faire ça. Et là, faut que ça soit droit. Là, faut que ça soit droit. Ah, c'est pas droit. Faut que je recommence, ça va faire un zoin-zoin, sinon ça va faire un zigzag. Ah, c'est pas grave. Peut-être trop en confiance, peut-être trop in the zone ce soir. Oh putain, faut que j'efface ça aussi. Oh là là là. Quel dommage, c'est là où j'avais fait mon backbuilding. Ben, je vais faire du air backbuilding ici pour vous montrer un petit peu parce que j'ai vu que vous étiez intéressé. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un répartiteur de convoyeurs et c'est ça qu'il me faut, c'est un répartiteur de convoyeurs. Par contre là il me faut des groupeurs de convoyeurs, mais il faut que je les aligne avec la petite bestiole là-bas. Et on va faire ça comme ça. Hop, 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 avant-dernier hop et dernier hop, et là c'est aligné, on est bon, c'est du programming. Voilà, hop, très bien. Ouais, donc là, backbuilding, vous voyez, ça c'est backbuilding quand on est à terre. Et la plus dure, ah, attention, là c'est air backbuilding. Là c'est quand même très très compliqué. Bon, alors moi j'ai pas de mal, hein, parce que je suis habitué, j'ai pris des cours. Mais alors vous, ça serait quasiment impossible à faire pour vous. Ça, je vous le dis, c'est vraiment un gros gros move de programmeur. Faut gérer les trois axes en même temps. Enfin, c'est vraiment, c'est très très compliqué. Hein. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Répartiteur de convoyeurs. On va en mettre là tout un paquet. Hop, hop. Vérifier l'alignement. On est bon. Hop, et pour le dernier, on va en faire un aussi. C'est plus propre. Je vais avoir fini ça en quoi? En une demi-heure, j'aurai fini ce que je voulais faire ce soir. Ah bah on va pouvoir s'attaquer à l'autre grosse chaîne de production. Enfin, la suite de cette chaîne de production. Avec les façonneuses et tout. Bon, après, là, c'est simple. Hein. C'est vraiment constructeur fonderie... C'est pas la chose la plus compliquée à faire. Enfin, pour vous, c'est compliqué. Hein. Pour vous, c'est une montagne infranchissable. Mais pour moi, ça va. Ok, on est bien. On est bien, on est bien. Tout est alimenté. Ensuite, ça passera comme ça. Donc, je vais le faire maintenant. Groupeur de convoyeurs. Hop, hop, hop. Là, on va faire un truc symétrique. On va dire que c'est symétrique. Comme ça. C'est symétrique. Et c'est bien parce que ça va... Je vais vous dire, ce plateau orange, il me chiffonnait un peu parce que je le trouvais pas assez rempli. Et là, du coup, ça va le remplir. Et ça, c'est cool.
Ouais, il était un peu vide. Là, il y avait toute cette zone vide, là, comme ça. Et là, du coup, maintenant, il a un peu plus de gueule. Ça, c'est bien. J'ai fait plein d'autres optimisations aussi. Alors, j'ai fait un truc. J'ai effacé toutes mes raffineries de turbofuel. Je ferai une petite parenthèse tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi faut pas utiliser le résidu de pétrole lourd pour faire du turbofuel. Ça pose des problèmes de... Ça pose des problèmes d'équilibrage, de flux, de... Ça pose des problèmes énormes, en fait. Donc j'ai tout rasé. J'ai perdu 5 MW de production électrique, mais ça va, je peux quand même... Je suis quand même dans les clous, là, pour l'instant. C'est pas aligné, ça. Oh, putain. Mais ouais, RPL pour faire du turbofuel, c'est une mauvaise idée. Parce qu'en fait, le RPL, il vaut mieux systématiquement le recycler dans un broyeur via l'intermédiaire d'une raffinerie de pétrocoque. Parce que sinon, il faut sans cesse surveiller les niveaux de RPL. Enfin, c'est compliqué. On va dire, il faut que votre consommation électrique soit calibrée par rapport à votre production de RPL. Et ça pose des gros problèmes. Ça m'obligeait à flusher des pipelines toutes les 2-3 heures. C'était chiant. L'usine pouvait pas tourner d'elle-même toute seule, en fait. Elle se bloquait d'elle-même. Si jamais je la laissais pas, si jamais je l'entretenais pas. Donc ça m'a ennuyé. Nobidanoir qui dit. Nobidan Wa3R qui dit « Mon fils de 4 ans est devenu un pro-gamer du jeu, il vient de me demander de te mettre sur la télé pour regarder avec moi ton stream. » Mais oui, c'est bien, il faut que les petits-enfants me regardent. Dès 6 mois, vous pouvez les mettre devant des streams de programming comme le mien, parce que c'est à cet âge-là qu'ils sont plus réceptifs aux idées nouvelles que j'apporte. Moi, j'ai été... Bon, je vais raconter un peu ma vie, un peu ma vie familiale, mais en fait, ça a toujours été le rêve de mes parents que je devienne un pro-gamer. Donc, dès l'âge de 4 jours, en fait quand ma mère était enceinte, elle mettait des streams de programming contre son ventre pour que je les écoute. Et à l'âge de 2 ans, j'étais déjà un programmeur accompli. Hein, alors c'était plus du programming Playmobil, programming petit cube, tout ça. Mais c'était quand même impressionnant. Hein, je faisais des châteaux forts en carton, des trucs comme ça. C'était quelque chose. Hein. Et oui, il faut les prendre très tôt, les enfants. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche logistique. Voilà. Il faut les mettre très tôt. Hein. Bah, c'est normal que les parents soient intéressés par une carrière de pro-gamer, parce que c'est quand même le glamour, quoi. C'est la vie de pro-gamer, c'est vrai que bon, moi je suis toujours soit dans un jet privé entre Paris et Tokyo, soit je rencontre des gens très influents qui me demandent des conseils de pro-gaming, c'est... Voilà, j'en veux pas à mes parents de m'avoir un petit peu téléguidé sur cette... Sur cette voie-là, hein, parce que c'est vrai que ils voulaient ce qu'il y a de mieux pour leur fille, pour leur fils même. Hein. Je suis leur fils. Et ce qu'il y a de mieux, bah, c'était une carte de programmeur. Il y en a qui vous diront c'est footballeur, c'est acteur, c'est chanteur et trucs comme ça. Vous savez, c'est toujours étrange de voir ses parents qui veulent transformer leurs enfants en petits chanteurs, qui leur font faire des télécrochets et trucs comme ça. Je vous dis, faites programmeur, hein, franchement. Oui, le lapsus révélateur. Je sais pas pourquoi j'ai dit fille. Faudrait que j'en parle à mon psychanalyste imaginaire. Peut-être qu'en fait c'était ce que je voulais être. Je voulais être la fille de mes parents et je voulais pas être le fils de mes parents. C'est étrange. Alors, pourquoi j'ai pas de ressources ici? Parce que j'ai pas programmé, parce que j'ai pas d'électricité et parce que j'ai pas programmé mes petits constructeurs. On va faire de la tôle de cuivre. Hop. J'aurais mieux fait de le programmer avant, parce que là, en sautant comme ça, c'est pas super pratique. Hop. Tôle de cuivre. Quoi? Il m'a mis Undef NA, vous avez vu? J'avais jamais vu. Attendez, j'ai trouvé un bug. Ah, faut que je le refasse. Décidément, cet update, hein. Ah, il m'a mis... Le menu m'a mis un truc bizarre. Bon, c'est pas grave. Attendez, j'ai peut-être de l'underclocking à faire. De l'underclocking. La dernière, je l'underclock à 80%. Ok. Ouais, je suis trop rapide pour le jeu, ça doit être ça. Tôle de cuivre.
Je vais vérifier qu'elle est... De toute façon, je vérifierai quand ça se produira. Il en manque 4. Tôle de cuivre. Tôle de cuivre. Tôle de cuivre. Et là, tous ensemble avec moi, tôle de cuivre. Ok, on est bien. Underclock à 80%. Hop. On fait l'électricité. Les connecteurs sont par là. Ça tombe bien. J'ai 1, 2, 3 ici. Je vais faire... Je vais en faire un ici. Hop. Un ici. Ouais, je peux pas le faire. Ok. Un ici. Ah mais là je vais être baisé là, attendez, tac 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 tac. Si je fais ça là, si je fais ça, tchac, ça tchac, ça tchac, ça tchac. Et ouais là je vais être à 4 là. Donc il faut que j'en fasse, il faut que je décale ici, ok. Et là on va être bon. Hop, hop. Là, je vais faire du air building électrique, ça aussi, c'est très très chaud. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est fort. Merde, merde, merde. Oh là 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 là, mais regardez ça, regardez ça. Attendez, attendez, je vais le faire. Ah, c'est dur. Bon, je m'ai trompé. Je m'ai trompé, je m'ai trompé. Pour la peine, je vais terminer en 720 air building électrique, il m'en manque 1 mètre, regardez ça. Je fais hop, 720. Hop, et là... Oh là 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 là, du premier coup. J'ai cassé le jeu. Vraiment, c'est... Voilà, j'ai la sensation que le jeu n'a plus aucun challenge pour moi, que tout est devenu trop facile. La fin d'une époque, la fin d'un rêve. Ils ont jamais parlé d'un Satisfactory 2 d'ailleurs. Je sais pas s'il y en aura un jour. Je sais pas si ça se prêterait bien à un 2. Ok. Bon, ils vont bien nous faire un Kerbal Space Program 2, cela dit. Ok, ok, tout a l'air d'être bon. Là, je vais sortir des tôles en cuivre comme un gros sale. Ok, c'est pas mal. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Dark Raffle 79 qui dit question débutant, pourquoi diminuer la cadence de production de certaines fonderies? Bah, c'est pour parfaitement adapter l'output de ces fonderies, de ces engins-là, à l'input de ces engins-là. Là, celles-là, elles vont produire X, et il faut que, ici, ils acceptent X. S'ils acceptent X plus 10, mais ça va être moins opti, quoi, ça va moins bien fonctionner. Là, honnêtement, j'aurais pu éviter d'underclocker. Puis l'underclocking, aussi, l'avantage, c'est que ça fait économiser un peu de consommation électrique. Ok, on est bien. On est bien, on est bien. Mais là, on a avancé très très vite. Je pensais que j'en aurais bien pour 1h30 à faire ça. Je fais 140 minutes. C'est normal, c'est normal. Parfois, j'ai même pas moi-même conscience de mes qualités de programmeur. Alors. Ok. Je vais juste vérifier que les alignements sont bons. C'est propre. Hein. C'était vite fait, bien fait. Ok. Alors, on va passer à ça. Alors, ça c'est fait. Voilà, tout ça là, on est bon. Ça c'est fait, sur le plateau de quartz, il fallait que je... Ah, faut que j'aille... Non, 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 sur le plateau de quartz, c'est des trucs que j'ai pas fait, voilà. Il faut que j'aille vérifier que mon plateau de quartz me sort bien 75 cristals sur le tapis roulant. Je suis pas certain que ça soit le cas, parce que je m'étais trompé dans mes calculs tout à l'heure. Oh, j'espère que je me suis pas trompé dans mes calculs là maintenant. Oh, si je me suis trompé dans mes calculs encore une fois, je pose ma démission. On va aller au plateau de quartz en passant par la centrale à charbon. Hop, attention, petit move de programmeur, là, ce qu'on appelle un jump de programmeur, c'est assez impressionnant, ne faites pas ça chez vous. Ok. Là, ça aurait été cool avec les... Avec les trucs électriques, de mettre des trucs électriques V2 au plafond et de faire tomber les fils électriques du plafond, ça peut être joli. Oui, la scène, pardon, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit que j'allais l'oublier. Et hop. Quartz, on y va. J'avais dit combien d'erreurs de scène? 2 je crois. Hein. Non, j'avais dit une erreur de scène et deux erreurs de micro. Ça va venir. Ça va venir. On a le temps encore là. La soirée est jeune.
Alors, Crystal Quartz, il faut que j'en fasse 75. Et je crois de mémoire que j'en sors que 64. Ich habe eine little doubt. Ils sont là, mes petits constructeurs de cristaux. J'en sors 32,2 par minute. Il faut que j'en sors 37,5. Si je overclock à 150, je suis à combien? 33,8, super. 37,58, ça sera bon. Non, 37,35, c'est pas bon. 37,58. Hop, 37,58 là. 37,58 ici. Ok. Et ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vérifie que c'est bien alimenté en quartz brut. Donc là, oh, attendez, j'ai plus les chiffres en tête de mes trucs de quartz. Alors, plateau quartz. Combien je sors en plateau quartz? Plateau quartz, j'ai deux foreuses V2 sur un gisement normal, OCA 150 qui me sortent 180 et 180. Ok, ça c'était mon ancien truc, impeccable. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, attends, je regarde un peu la scène, je changerai. Hein. Quoique c'est joli cet effet, il y a un petit effet, j'aime bien. Là je fais 62,625, 37,6. 62,625, 37,6. 62,625. Oui, je suis pas sur la bonne scène, pardon. C'est pas grave. À part que vous pouvez pas trop bien lire le chat. Attendez, c'est parce qu'en fait, il y a ça. On va faire comme ça. Hop. Et on va faire comme ça. On est bien. 62,625 et... Faut que je regarde derrière, bougez pas. 62,625, 37,6. Non mais là il me faudrait, si vous voulez, mes streams ont atteint un tel niveau, il me faudrait une régie dédiée là, il me faudrait une équipe de 15-20 personnes si je voulais faire vraiment un truc optimal, parce que pareil, je fais tellement de programming de Streamlab OBS là que le soft a du mal à suivre. Alors, 62,625 x 2, bon, je vais pas le faire de tête, 62,625 x 2. Je vais pas le faire de tête, on est dimanche soir, je vous préviens. 62,625 x 2 égale 125,25. Ok. 125,25. Plus 252. Cela nous fait un total de 377,25 quartz. 177,25 quartz. Ok. Donc... 377,25 divisé par 2, ça nous fait 190, on va dire 190. Voilà. Il me faut 190 quartz de chaque côté. Hop, hop. 190 quartz sur mes deux foreuses. Donc il faut que je les ossée encore un peu plus. Est-ce que j'ai pas un petit pylône électrique ici, juste pour regarder mon électricité? Je vais en avoir un là-bas. Voilà. Je vais jeter un coup d'œil à mon électricité. Ok, on est large encore. 2,2 mégawatts, ça va. Merci Yutani de t'être abonné avec Prime. C'est ça, hein, avec Prime, j'ai pas dit bêtises. Oui. Merci pour le soutien. Oui, la scène, pardon. La scène. Hop, voilà, c'est bon. Je vous ai entendu crier à travers mon casque. 192, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai une mémoire de poisson rouge. 190 quartz. 190, hop. 192, ça sera très bien. Après, à force de tirer sur l'électricité, là, au bout d'un moment, ça va me faire des problèmes. Mais j'ai vu que... Oui, j'ai vu un truc que j'avais... Dites-moi si c'était le cas avant l'update, parce que je faisais l'exploration tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que ici là où j'ai mes premiers champs de pétrole, en fait il y a beaucoup d'autres champs de pétrole ici. Il y a au moins 4 ou 5 autres champs de pétrole dans cette zone. Est-ce que ça y était avant l'update ou est-ce qu'ils ont mis à jour la carte? Parce que là il y a
Ouais, 4-5 champs de pétrole supplémentaires. Donc du coup, comme j'ai déjà des pipelines ici, je vais pouvoir faire... Ça y était avant? Ok, d'accord. Ok. Bah, je les avais pas vus à ma première exploration, et là je les ai vus, et j'étais très content, parce que je commençais un peu à être en carafe de pétrole. Mais alors là, j'ai de quoi faire... J'ai de quoi tenir 50 ans, là. Ok, on est bien. Les quartz, c'est bon. On va retourner à notre plateau de production. Et puis, on va regarder à quoi on s'attaque après. Là, on va commencer les choses sérieuses. Je pense on va pouvoir bien travailler, là. Mais ils ne sont pas purs, si je me souviens bien, dit Bathosaure. Bah, même si c'est de l'impur, hein, y en a tellement, en fait, que ça va être très bien. Non, je vais y aller à pied. Ouf! J'avais oublié d'effacer ça. Comme quoi c'est utile, hein, de pas toujours prendre les mêmes chemins. Comme ça, on voit les erreurs. Ça évite d'avoir des murs flottants. Hein. On en a vu des murs flottants. Je vais pas. Voilà, je vais pas appuyer là où ça fait mal. Hein. On en a parlé maintes et maintes fois. Mais voilà. Ok, voilà, c'est quand j'avais effacé les. Quand j'avais effacé des trucs, j'avais fait des petits trous à droite à gauche. Ok. Alors. Soyons sérieux 2 secondes, on arrête de déconner. J'ai un reflet dans ma porte vitrée là, que j'ai pas parce que normalement ma porte vitrée est fermée. Là je l'ai un peu ouvert parce qu'il fait chaud dans la pièce. Et j'ai le reflet de la lampe dans la porte vitrée. Et j'ai l'impression que c'est un visage qui me regarde. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est un visage qui me regarde. Et du coup, quand je lève les yeux, j'ai l'impression qu'il y a un visage qui me regarde et ça me fait peur. Ça vient de me le faire 2 fois là. Donc si vous me voyez lever les yeux et sursauter comme ça, vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai oublié que j'ai le reflet de lampe qui fait peur. Alors. Ok, on n'est pas dans le bon endroit. Il faut donc qu'on fasse ça. On a fait ça. On a fait ça. Le visage du programming. C'est le chat qui te surveille. Alors, je devrais mettre un petit visage composite de tous les gens du chat. Je laisse des murs flottants et je sais compter mes composants pour les turbomoteurs. On ne veut pas tout avoir, dit Mister Slurp. Je suis sûr que t'as fait comme tout le monde des erreurs de calcul et que tu t'es retrouvé à ravager des chaînes de production entières parce que t'avais oublié 5 tôles de cuivre ou 3 lingots de machin. J'en suis sûr, Mister Slurp. Surtout en 700 heures de jeu. 700 heures de jeu, t'as dû en faire des bourdes. Et alors. Donc on a fait ça, on a fait ça. Il nous manque tout ça à faire. Sachant que. On peut pas l'alimenter complètement. Il va nous manquer quelques moteurs, il va nous manquer 12 d'alclades, mais ça je vais bloquer la production tout à l'heure. Enfin, ou demain, après-demain, ou dimanche prochain peut-être. Alors, le but sur ce plateau, c'est donc de mettre 4 broyeurs, 4 façonneuses. 4 broyeurs, 4 façonneuses. Avec une rangée avec 2 broyeurs, ouais. On va déjà faire ça. On va déjà s'attaquer à la rangée de 4 broyeurs qu'il faut alimenter de plein de trucs différents. De 4 assembleurs, pardon, qu'il faut alimenter de beaucoup de choses différentes. Il y a plein d'underclocking, il faudra faire attention. Ah, j'ai pas fait ça là. Attendez, attendez, mes constructeurs cristal là, c'est pas du tout ce que j'ai fait là. Ouais, je les ai overclockés, mes constructeurs cristal, mes constructeurs de cristaux. Qu'est-ce que j'ai fait comme merde encore? Divisé par 2. 35, 37,5. Ouais, non, c'est que je les ai overclockés en fait. C'est que je les ai overclockés. En fait, il faut que j'efface ça là. Voilà, parce que ça correspond pas. Voilà. Je vais reset tout ça. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop. Et là, dire que 75 cristaux quartz qui viennent du plateau quartz. Voilà. Et si on va au plateau quartz, là je suis bien, voilà, 75. Faut que je mette les tableaux à jour, sinon ça sert à rien de faire des tableaux. Hein. Ok, ils sont haussés à on sait plus combien. Voilà, on va juste noter qu'ils sont haussés. Ok, on retombe sur nos pattes.
Pourquoi les overclocker plutôt qu'en rajouter, demande Père Castor? Eh bien parce que dans mon usine à quartz, là, c'était un peu serré, donc voilà. C'est pour ça, c'est pour ça. Ok. Donc là, maintenant, nous avons... Alors, la façonneuse, on aura deux façonneuses avec du quartz. Ok. On va mettre... On va commencer à placer deux fois deux assembleurs. Est-ce que j'ai de quoi les faire? J'ai de quoi les faire. On va faire un joli truc symétrique. Hein. On va faire ça là. On va en mettre un ici. Hop. Est-ce qu'on a de la place derrière? On a de la place derrière. Et donc ici, je l'ai collé à un d'écart sur l'angle. Ok, donc ça nous le met ici. Ici. Est-ce qu'ils sont alignés là? Est-ce qu'ils sont alignés? Ils sont alignés. Ok, ok, ok. Ok. Ouais, la scène, pardon. Pff, la scène, je vais pas arrêter de faire des allers-retours en fait. Je vais mettre la scène en normal et je vais faire des allers-retours sans changer la scène. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, ça sera mieux. Alors attendez. Le coup de chou, il est ici, il est là, d'accord. Donc coup de chou, coup de chou, coup de chou. Ça, ça va être ceux qui vont faire des broyeurs, mais pas en alternatif. Donc ça, ça va être... Les échangeurs, les broyeurs thermiques, normaux. Hop. Tôle aluminium, coup de chou, c'est bon. Tôle aluminium, coup de chou, c'est bon. Parce que le coup de chou arrive ici, en fait. Enfin, une partie du coup de chou arrive ici. Les tôles, elles arrivent là. On va leur faire faire... Ah, ça va être chiant, ça. Ça, c'est les alternatifs. Et donc, qu'est-ce qu'il leur faut, les alternatifs? Il leur faut tôle de cuivre, ça c'est bon. Alclade, c'est bon. Ok, eux, ça sera plus pratique. Ça va être plus pratique. 13,1 pièces par minute? Ah oui. Ouais, je vérifie. Ouais, je les ai hussés à 96. Ok, d'accord. On va tout de suite les hussés à 96. Parce que c'est qu'est-ce que j'ai décidé. Hop, 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 et les autres ils sont hussés à 75, ok. Ok, on est bien. Alors maintenant, le jeu, ça consiste... à amener à celui-là de la tôle d'aluminium et du caoutchouc. Alors, caoutchouc, ça va être simple. Tôle d'aluminium, ça va être pénible. Et à faire... Pff, on va les faire venir comme ça. Ça va être un peu bordélique, mais on n'a pas trop le choix. Et alors, attendez, je regarde le caoutchouc. Ouais, il faut d'abord que je... Bon, on va d'abord s'occuper du... C'est droit ça, mais c'est droit. 90 de coup de chou, 105 de coup de chou. The plate spaghetti is in the launchpad. Nine, nine. Oui, je pourrais taper la valeur du C, mais bon, j'aime bien le faire au petit curseur. La lue, tu fais un seul tapis qui fournit les 4. Ouais. Ouais, déjà, ça va être bien. Ouais, effectivement. Déjà, ça va être très bien. C'est qu'après le caoutchouc, j'ai deux tapis qui me ramènent du caoutchouc et les consommations sont pas les mêmes. Alors, l'alu, l'alclade, elle est là, l'alclade. L'alclade, elle est ici. On va la faire descendre bien comme il faut. Hop. On va faire répartiteur de convoyeur. Qu'est-ce qu'on fait comme technique ?
On va faire la technique. On va faire la technique classique. On va pas faire la technique avec les empilements de répartiteurs, là. Ouais. Oui, mais attendez, après l'alclade, elle me sert ailleurs. L'alclade, il m'en faut. Ah non, il m'en faut que là et là, l'alclade. Ouais, l'alclade, on est tranquille. Ok, donc l'alclade, elle arrive là. Eh bien, on va la faire descendre tout de suite, cette petite. Et. Par contre, pour la faire descendre, ça va être un peu chiant. Il faut qu'on puisse faire passer les tôles de cuivre par là. Ah, ça va être chiant aussi. Il faudra que je dégage ça en fait. Ouais. C'est ça. Faudra que je dégage mon machin. Alors, où es-tu toi? Tu es là. Tu es là. Tu es ici. 1, 2, hop. 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 Ça va pas être un plat de spaghetti, hein, évidemment. Hein. Ça va être des petites tagliatelles. Oui. C'est pas grave, on recommence. Regardez comme c'est beau, tous ces super calculateurs. Ça vous fait rêver, hein. Vous devez être avec votre usine minable, là, qui est même pas capable de sortir un ordinateur tous les quarts d'heure. Et vous dites, mais comment a-t-il fait? Quel est ce magicien? C'est pas de la magie, c'est du programming. Organisation, non, logistique, du Mark 5. Hop, 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 hop. Et puis là, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça, voilà. Là, on va mettre répartiteur de convoyeur. Hop. 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 Hop et hop. Ok. Déjà, ça va être une bonne chose de fait. Ça va permettre d'y voir un peu plus clair. Est-ce que c'est aligné? C'est aligné, c'est aligné, c'est aligné, c'est aligné. Ok. Merde. Astuce, le côté des supports. Oui, oui, là, oui. Bon. Mais j'aime pas. De toute façon, j'aime pas les échelles. Regardez. J'aime pas les échelles parce que c'est difficile de s'en décoller. Voilà, vous êtes là, vous voulez sauter. Je trouve que c'est pas pratique. Alors qu'un petit coup de jetpack, c'est mieux. J'aime pas les échelles. Voilà. N'essayez pas de mettre aux échelles, je n'aime pas les échelles. Oh purée. Alors toi, tu m'as fait. C'est la dernière fois que tu me faisais chier. De toute façon, il faudra te dégager tout à l'heure. Donc je te le dis tout de suite, voilà, 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 t'as gagné. Voilà. Hop, 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 et hop. On le fera arriver autre part, on trouvera une solution. Alors. Est-ce que... C'est pas droit. Je suis sûr que c'est pas droit. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment de la merde dans les yeux. Alors on se concentre. Hop, là c'est droit. Là c'est programming, regardez ça. Clac, clac, c'est droit. Voilà, on rigole plus, c'est terminé, fin de la récré. Hop. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas là, est-ce que c'est droit? Oui c'est droit. Là on va faire un petit passage, ça sera plus joli. Un petit passage comme ça, hop. Hop. Ok, on va dire qu'on a la moitié du boulot de fait déjà sur les assembleuses, ce qui est très bien. Maintenant, autre moitié du boulot. Il faut qu'on le fasse arriver sur l'un le coup de chou, ok, sur l'autre l'étau le cuivre. Ok, le coup de chou et l'étole cuivre. Alors l'étole cuivre d'un coup, et le coup de chou par contre... Ça va être chaud le coup de chou. Ça va être chaud le coup de chou parce que je sais pas trop combien je sors sur chacun des tapis. Je vais regarder ça. Attends, je vais regarder ça. Hop, je remets la scène après. Quel était... dans quoi est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça là. J'ai 14 raffineries de coup de chou. Ok, donc ça fait 2 x 7. J'ai 14 raffineries de... Non, c'est pas ça. C'est
ça. Je vais aller voir mes raffineries de couchou ici. Donc normalement, j'en ai 7 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et elles me sortent chacune... Elles me sortent chacune 20 couchou. Oh si, elles me sortent 140 de couchou chacune. Oui, j'étais en surproduction à fond ici. J'étais en surproduction. Eh ben, je vais pas me faire chier. Je vais faire un tapis roulant. Un tapis roulant. Ouais, je vais juste prendre un tapis roulant. J'ai pas besoin de l'émerger. Voilà, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ça prend pas de quartz par contre. Hein. Ok. Ok, ok. Non, et puis attendez, j'ai dit. Non, parce que j'utilise mauvais plan là. C'est couchou et alclade. Non, non, c'est ça, c'est ça. Oh là là. Alors. Là, il lui faut. Du couchou. 70. Ouais, mais elles sont UC. Ok, impeccable. Impeccable, impeccable. Je prends un couchou là. On va le mettre. Comment est-ce qu'on va organiser ça? On va essayer de faire un truc un peu joli. Toc, 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 toc. Comment est-ce qu'on peut faire ça de manière un peu jolie? Bonsoir Richard, Richard Gear Solid. Je regarde si vous dites pas trop de bêtises sur le chat. Non, ça va. J'ai pensé à quoi? J'essaie de faire un pattern qui soit un peu cool là. Bah non hein. Oui, j'ai pensé à la scène. Ciao Payette 86. Je sais pas comment faire un truc très beau ici. Enfin, ça, non, ça va être beau, bien sûr. Évidemment, évidemment, ça va être magnifique. Et vous allez prendre des photos, vous allez regarder ça, vous allez vous dire, mais comment a-t-il fait? Mais je veux dire, beau, 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 vraiment beau, quoi. Sans faire de diagonale. Bon, bah si, on va faire comme ça. On va faire ça. On va faire ça. Merci Richard Garsolide de t'être abonné, merci pour le soutien. Non, alors ça c'est même pas aligné, ça, c'est n'importe quoi. On aligne quand même un peu sérieusement. Ah si je fais ça, tiens comme ça, un peu plus serré. Ouais, je fais du air building, j'y pense même plus. C'est devenu un réflexe pour moi. Ah, j'ai plus de jetpack. Si on fait ça comme ça... Ça comme ça, ça comme ça... Ça c'était pas dans le bon sens. Je suis pas sûr de ce que je fais là. Fais un étage technique en dessous, dit GTPix. Mais non, saut de toi. Tu sais bien que ça ne correspond pas à mes choix architecturaux. Mais alors la prochaine fois j'en fais un, hein. Je peux vous le dire, la prochaine fois il y a étage technique. Là ça marche pas là. Oh là là, je suis en train de faire de la merde. Je suis en train de faire de la grosse merde. Eh ben il n'y a pas le choix, hein. On va faire un... Bah oui, on va faire ça, on va faire l'empilement, hein. On va faire l'empilement, allez. Hop, hop. Bon, c'est vraiment ce qui sera plus joli en fait, hein. Sinon ça va être tout pourrave. Donc là on fait ça, et là on fait dans ce sens-là. Alors là par contre, faut que ça s'aligne bien avec le tapis qui arrivera ici. Et là, faut se méfier. Si je fais ça... Je vérifie juste un truc, je connais la réponse à l'avance. Ok, d'accord, c'était ça. Tchac, et là... tchac et tchac. Ok, donc là on fait tchac, tchac. Là on fait le petit convoyeur qui descend. Voilà.
Là, on fait ça. Merci Alprazolam pour ton deuxième mois d'abonnement. Tu t'es réabonné après ton premier mois d'abonnement. Bah c'est, écoute, c'est courageux de ta part. Hein. Je suis sûr que t'as pas fait ça pour la, communauté. Hein. Je suis sûr que t'as fait ça pour le streamer. Ok, si, c'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli. Par contre, là où je vais être complètement baisé, vous allez voir, là ça va être merveilleux. C'est que ici, je veux faire ça. C'est quoi le milieu ici? C'est là. Donc ici, je veux faire ça là. Je vais faire ça, 1, 2, hop. Et là, regardez, regardez un peu la baisse. Voilà, là c'est bien, là on est content, on a bien fait de la merde. C'est pas grave, c'est pas grave, je vais faire ça. Je vais faire ça ici. Je vais feinter. On fait ça comme ça. Prenez des notes, hein, parce que là c'est quand même pas mal ce que je fais. C'est assez impressionnant, je le dis. Hein. C'est du problem solving de pro gaming. Vous verrez pas ça. Vous verrez pas ça chez Isuel ou chez Noël Malware. C'est pas bon. On recommence. Là, c'est peut-être bon. On va voir. Ce n'est pas bon. La faute à qui? La faute aux développeurs qui n'ont pas prévu d'outils d'alignement dans la verticalité. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pas les charger, hein. Là ça va être bon. Là on est bon. On est bon. Alors. J'ai des murs de texte. Je vais pas le chanter, Aurel Kadhafi, je te préviens. Je refuse de. Je ne chanterai pas ça. Je ne le déclamerai pas à l'antenne. J'apprécie l'effort, mais non, je peux pas déclamer ça lentement. En plus, ça... Ah si, ça rime, hein. Ah mais c'est toi, Uriel Kadhafi, qui avait déjà fait, hein, qui avait déjà fait un poème sur... Oh, je sais plus quoi. T'avais déjà sorti des poèmes aussi. Merci le Puce 7 pour leur abonnement. Alors, attendez, attendez, on se concentre, on se concentre, on se concentre, on se concentre. C'est du Satisfactory Pro Gaming, c'est sérieux. C'est ça, tôle d'aluminium. Ouf, j'ai un petit doute. Tôle d'aluminium, on est bon. Coup de chou, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Tout fonctionne, les ressources arrivent. It is done. The first pair of assembleuses is completed. We can now go to the second pair of assembleuses. And it's going to be a little bit more tricky. Because this time... what should we do this time? We should bring... No, it's not that tricky, it's not that tricky. We should bring the tôle en cuivre to the queue des assembleuses, so it's okay. The problem is that the way here is blocked, and it was not very clever of me. How can I do, how can I do, I don't know. Tu vois le pouvoir que tu as avec vous, tu inspires les plus grands esprits de notre temps. Ah, oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu sais, j'aime parfois croire que, après avoir lu un de mes tests, Marc Lévy se met sur son roman et il écrit un peu dans mon style. Voilà. Je me dis peut-être que c'est déjà arrivé. Peut-être que c'est déjà arrivé. Alors. Là, c'est de la merde ce que je fais, c'est de la merde ce que je fais, c'est de la merde, c'est de la merde, et c'est de la merde. Les tôles de cuivre, elles sont là. Est-ce que j'aurais besoin d'autres tôles de cuivre? Je check hors scène. Attendez, tac, 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 tac. J'aurais pas besoin d'autres tôles de cuivre. Non. Donc on balance tout ce tuyau ici, mais il faut faire un truc joli. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, c'est de la merde. Ou alors ça ne l'est pas? Si, si, c'est de la merde, si, si, c'est de la merde ce que je fais. C'est de la merde, bien sûr, c'est de la merde. Je peux pas m'en sortir autrement, purée. Non, là, de toute façon, il faut que je fasse pareil, là. Il faut que je fasse un bel alignement. Ouais, non, non, je vais faire un alignement, quand même. Ça serait trop moche, sinon. Ok, alors... On va tenter ça comme ça.
Ah si, là ça correspond, ça c'est bien. Si, si, c'est bien, c'est bien. Si, si, on va s'en sortir. On va s'en sortir joliment. Enfin, je vais m'en sortir joliment. Hein. Vous, vous en foutez pas une. Hein. Ok. Je me suis outré. Là, on est bien. Alors, du coup, ça, je dois dégager. Hop, hop. Là, ensuite, je fais ça. Je fais ça. Ouais, je vais le faire comme ça. Hop. Hop. Et là, normalement, on est bon. Tout va fonctionner. Je fais ça comme ça. Je fais ça là. Ça là. Ça là. Et là, on est bon. J'ai plus qu'à ramener les toiles en cuivre. On est bon. C'est propre. C'est propre. C'est propre, c'est propre. Ce que je fais vraiment. Je m'étonne moi-même de la qualité de mes constructions. Non, mais je vous dis, le jeu est vraiment devenu... Ouais, le jeu est devenu trop facile pour moi. Là. Je construis trop propre, c'est trop petit ce que je fais. Ah oui, c'est ça, on avait lu le poème du Royal Kadhafi dans la base de Mr. Slurp, dans la salle finale, là, où il y avait toutes les, où il y avait toutes les surprises et la noix d'or. Oui, oui, c'était le poème, hein, c'était son poème qui était... c'était le poème du Royal Kadhafi qui était inscrit au mur. Moi sur les murs je préfère inscrire le nom de ce que j'aime. Mais bon après vous faites ce que vous voulez. Ok là on est pas mal. Et là maintenant ce qu'il nous reste à faire. On va faire un petit zigouigoui. Regardez ce qu'on va faire. On va faire ça comme ça. Hop hop. On va faire 1, 2, hop. Hop hop. On va faire ça comme ça. Voilà. On va le faire arriver de côté, ça va être mignon. Voilà ça va être tout mignon comme ça. Ça va être tout joli. Hop. Merde. On est bien. Il a dit Gezia, le but de Satisfactory, c'est juste de construire des usines. À quoi tu joues? Dis-moi à quoi tu joues, Lodi Gezia. Je vais te dire si t'es prêt pour Satisfactory. Dis-moi les jeux vidéo que t'aimes en ce moment, Et au pire, on se moquera de toi très violemment, mais c'est pas grave. Vous voyez, ces jeux à boucle de gameplay, donc leur expérience moins croissante, on dit que c'est une perte de temps, que ça joue sur la compulsivité du joueur. Mais regardez à quel point il est content de lui. Qui ne voudrait pas se sentir ainsi une fois de temps en temps? Moi, ça m'aime, bravo à goût. Oui, alors après, c'est vrai que j'ai une certaine propension à très vite, très vite être très content de moi-même. oui, c'est pour ça qu'on joue à ces jeux, c'est parce que ça rend fier, on est content, c'est parce que ça permet de créer des choses et d'être fier de les avoir créées. Ce sont des jeux créatifs. Et c'est pourquoi Minecraft est aussi bien. Parce que Minecraft est un jeu créatif. Voilà, pourquoi est-ce qu'il a eu succès? Parce que c'est un jeu créatif. Pourquoi Kerbal Space Program a eu succès alors que c'était un petit jeu indé auquel personne n'a jamais entendu parler? Parce que ce sont des jeux qui permettent de créer. C'est moi c'est le truc qui me fait vibrer dans les jeux en ce moment. Les jeux où on me sort une histoire toute crue comme ça, où on me dit ah bah voilà, alors t'es un soldat, faut que t'ailles libérer je sais pas machin chose. Alors t'y vas et puis t'as des personnages qui disent oh, il faut aller libérer machin chose et tout. Moi ça m'emmerde, tu crées rien. Voilà, tout ce que tu fais c'est tu tues des gens, tu parcours des niveaux et tout. Ça m'intéresse pas. Là tu crées, t'arrives, tout est vide, tu repars, tout est rempli de quelque chose que t'as fait à ton image. En l'occurrence la mienne c'est quelque chose de parfaitement propre, organisé et rationnel. Alors on est bien, on est bien. Bah et c'est propre. Hein. On va effacer ça. Hop, hop, hop. C'est propre. C'est propre, propre, propre. Là, il n'y a pas de ressources qui arrivent parce que pourtant c'est l'alclade qui vient là. D'accord, ben oui, mais évidemment. Mais oui. La réponse à cette question était donc parce que je suis une merde. Hop. Ah, je sais pas comment il a pu se snapper ailleurs, mais... Ok, là, voilà. Là, on a tout. Donc là, on va vérifier qu'on a bien... Alors là, non. Là, je dis non.
Ah oui, ok, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a les... y a le vieux truc que j'ai pas dégagé, ok. Là, vous voyez, j'ai deux fois des tôles d'aluminium. C'est parce qu'en fait, il doit en rester en rab dans le circuit. Il va peut-être falloir les enlever à la main. Voilà, ça c'est... Il faut faire attention parce que sinon, ça bloque les... Bon, je vais tout effacer. Ça bloque les... Ça bloque les machines. Si elles ont pas le bon... Vas-y, s'il te plaît, sois gentil. Cela dit, comme elle a quand même besoin de cette ressource, normalement ça devrait pas être bloquant. On va voir. On va installer l'électricité tout de suite, on va voir. Alors, est-ce qu'il a répondu? Je crois qu'il a dit Ligodesia. Il dit je joue à. À la limite, j'essaierai bien Factorio. Alors, si je joue à League Dangerous, ça n'a rien à voir. Mais essayez Satisfactory. Vraiment. De toute façon, vous savez, Satisfactory, c'est comme. C'est des jeux où. En 20 minutes, vous avez le truc ou pas. En 20 minutes, vous comprenez. En 20 minutes, quand vous faites votre première chaîne de production, normalement, il y a un truc dans votre cerveau qui s'allume et vous vous dites, il faut que je continue. Si le truc dans votre cerveau ne s'allume pas, c'est pas grave. Vous n'avez pas d'âme, c'est pas grave. Allez jouer à Call of Duty, puis c'est très bien. Mais voilà, c'est comme Kerbal Space Program. Kerbal Space Program, tu fais ta première fusée, tu la lances. Tout de suite, dans ton cerveau, ça fait pouf. Et tu dis, ok, il faut que je fasse une fusée plus grosse, que je continue tout ça. Oui, Factor. Vaut mieux, honnêtement, vaut mieux débuter par Satisfactory que par Factorio. Factorio, il a quand même pris un gros coup de vieux avec. Alors, beaucoup de respect pour Factorio, hein, ça a été le pionnier et tout, ses développeurs, ils ont fait un travail remarquable. Mais Satisfactory est un cran au-dessus parce que c'est de la 3D, enfin, regarde ça, quoi. Voilà. Quand tu vois ça, c'est quand même autre chose que voir tes petits pixels un peu pourraves dans Factorio. Voilà, tu peux organiser dans les trois axes, voilà, c'est quand même autre chose. Regarde ça, tu peux faire des tuyaux et tout, c'est merveilleux. Évidemment que KSP est le meilleur jeu du monde, mais bien sûr que c'est le meilleur jeu du monde, KSP. Je le répète à qui veut l'entendre. Et vous savez quoi, j'ai pas arrêté de le répéter, Factorio c'est un démake de Satisfactory. Exactement, Factorio c'est Satisfactory s'il était sorti en 2012. C'est vrai. J'arrête pas de le répéter à la rédaction, je leur dis jouer à KSP, et ben ils veulent pas y jouer. Ils veulent pas y jouer, c'est con. Hein. À ça pour jouer à du... Yakuza, du Mountain Blade, même des Doom et tout. Alors, il y a du monde. Là, ils sont... Mais alors, quand il s'agit de jouer à des vrais bons jeux, à des jeux qui vraiment ont marqué leur époque et vont créer une génération entière d'ingénieurs aérospatiaux, là, il n'y a plus personne. Alors là, on est bon. Je vais peut-être mettre l'électricité tout de suite. En plus que je crois qu'on a plein d'électricité partout. Ouais, c'est pas non plus la folie, mais... où est-ce que je peux m'en sortir pour mettre l'électricité? Non, j'ai pas l'électricité tout de suite, parce qu'il faut d'abord que je fasse passer les tapis roulants. Alors, les assembleuses, c'est fait. Ça, c'est fait. Ok, c'est bien, c'était bien. Ouais, Apex, ouais. Je ne comprends rien avec ASP, dit sur noir. Faut s'accrocher un peu et puis c'est merveilleux. Non, il n'y a pas eu de stream KSP Larigé. Mais le problème c'est que j'attendais KSP 2 évidemment, mais il a encore été repoussé à 2022 là. C'est... Du coup, peut-être qu'en 2021, je ferai un stream KSP. D'autant plus que j'ai vu qu'il y a une update qui venait de sortir là. La vraie question, KSP ou Satisfactory? Je dirais KSP. Je dirais KSP. Satisfactory, évidemment, c'est génial et tout, mais en termes d'impact sur les gens, en termes de trucs que t'apprends, KSP, c'est vraiment au-dessus. C'est le jeu parfait, c'est le jeu qui est intelligent, qui est drôle, qui a pas de fin, qui te donne des émotions incroyables, qui te permet d'exprimer ta créativité, qui te permet qui est modable à fond... Donc, oui, il y a eu un stream très longtemps sur KSP, le prêtre volant, t'as raison. Je crois que j'avais appris à Hélène Ripley à y jouer un peu. J'avais introduit Hélène Ripley, je lui avais fait lancer ses premières fusées. Mais non, je pense que KSP... pour moi, KSP, c'est le chef-d'œuvre ultime du jeu vidéo. Il n'y a pas mieux. Alors... Les façonneuses. Ici, il nous faut deux façonneuses.
Donc les façonneuses UCR, ok. Et elles vont recevoir les broyeurs des assembleurs avec la recette alternative, le quartz et les supercalques. Alors attendez, je vais noter parce que sinon... Donc, les broyeurs alt. Les supercalques. Et les quartz. Et c'est tout. Ok. Montre-nous ton talent de dev sur KOS, demande Lord Isis. KOS, j'ai jamais utilisé. Enfin, j'ai bricolé dessus, mais j'ai jamais utilisé sérieusement. Tu vois, j'ai jamais fait une vraie campagne avec KOS. Parce qu'en fait, j'aime bien piloter manuellement mon truc. J'aime bien piloter au clavier ou au gamepad la petite... voilà, je trouve ça sympa. Après, c'est vrai que c'est génial. Hein. C'est plus réaliste, entre guillemets. J'aime pas le bricolage, j'aime pas les usines, j'aime pas l'industrie, et pourtant je suis fasciné par cet enchevêtrement insensé de tapis roulant. Oui, mais c'est ça qui est bien. C'est vrai que c'est beau à regarder tous ces tapis roulants comme ça, c'est magnifique. N'ayant jamais testé KSP, demande Francis Larimotte, si on veut s'y mettre, le jeu de base suffit ou il vaut mieux le prendre avec les deux DLC? Alors c'est une bonne question, moi j'ai tout. Je ne sais pas, si vous pouviez lui répondre dans le chat à Francis Larimotte. Je sais pas, sachant qu'il y a tellement... Je pense qu'il y a de nombreux modes qui exigent les DLC. Les DLC sont fun, mais les modes contiennent environ 1000 fois plus de contenu, dit Takuan Daishi, ouais. KOS, Gorbière de sang, c'est un... Quand tu lances ta fusée avec... Quand t'es dans le Kerbal Space Program, tu lances ta fusée, normalement tu la pilotes avec tes petits doigts. Avec KOS, tu peux programmer le pilotage, comme ce qu'ils font en vrai quand ils lancent une fusée, ils ont un programme de pilotage, c'est pas les astronautes avec un joystick qui pilote. Donc tu dis par exemple, à partir de telle altitude, prendre une inclinaison de tel degré vers telle direction, ensuite à telle altitude, séparer le premier étage, ensuite à telle altitude, s'incliner de tant de degrés vers tel point, et puis voilà. Donc tu programmes ça textuellement. Et c'est vachement bien, mais moi j'aime bien piloter les fusées. J'aime bien la... comme MechJeb, oui, comme MechJeb, mais sous forme de programmation. Voilà, effectivement, ça fait la même chose que... Ça te permet d'automatiser ton lancement comme MechJeb, mais c'est moins facile que MechJeb. Comme l'autopilote de MechJeb, exactement. Alors, des façonneuses, ok. Façonneuses... Non, c'est pas ça, je me trompe encore, c'est là. Façonneuses. Nous avons deux façonneuses à faire. Et on va l'aligner... Il leur faudra les supercalques qui sont là et le quartz qui est là. Ok. Façonneuse. Est-ce que j'ai de quoi les faire? Mais non, j'ai pas de quoi les faire. Il m'en faut 1, 2, 3, 4. Je m'excuse, hein, je mets la petite liste au-dessus du chat là. Je vais aller chercher de quoi fabriquer les façonneuses. Mais quoi qu'il en soit, hein. Il faut vraiment dans sa vie de joueur essayer Satisfactory ou Kerbal Space Program. Parce que c'est vraiment des jeux... C'est des jeux qui viennent stimuler une zone du cerveau qui n'est pas celle qui est stimulée actuellement habituellement dans les jeux vidéo. C'est pour ça que c'est génial. C'est que, voilà, moi ça fait depuis le milieu des années 80 que je joue aux jeux vidéo. Au bout d'un moment, quand c'est toujours un peu la même chose, tu te dis... Pff. Et puis là, tu as ces jeux qui arrivent et qui te permettent de faire des choses complètement différentes. Et c'est pour ça que c'est si bien. Je pense que le jour où je me lasserai de jeu comme Satisfactory ou KSP, bah, ça voudra dire que voilà, le jeu vidéo pour moi c'est terminé, il faut que je me mette, je sais pas, moi, la philatélie ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je voulais chercher? Je voulais chercher des câbles. Ok, j'en ai peut-être pris un peu beaucoup. Voilà. Et il me faut... Et puis c'est tout en fait, il me fallait juste des câbles. On va y aller avec... Le petit métro. Oui, Mandou, bien, j'utilise le jeu en français parce que les gens se sont plaints que je n'utilisais pas en français. Mais je préfère l'utiliser en anglais parce que sur la wiki et tout, tous les noms des composants sont en anglais, donc souvent il faut faire des traductions. Mais bon, là pour le stream, j'utilise en français parce que voilà. Il y a des gens qui speak pas, qui sont pas totally bilingual comme moi in English, quoi, donc bon. J'ai même pas pris l'autre, je suis con, hein, j'ai même... Ah bah non, mais c'est vrai que je l'ai cassé. Oui, le jeu est pas 100% traduit. Pardon, je renifle. Alors,
deux façonneuses pour les UCR. On va les faire... Quoi qu'on pourrait les faire, non, on va les faire bien symétriques. On va faire un beau... On va faire un beau truc symétrique, ça va être plus joli. On a de la place, on en profite. On pourrait peut-être faire un petit couloir comme ça, les séparer. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, ça va être classe. Ça va être classe comme ça. Alors, est-ce qu'elles sont alignées? Elles sont alignées. Est-ce qu'elles sont symétriques? Elles sont symétriques. Ok. Et là, ensuite, on mettra les deux autres façonneuses de turbomoteur. Ça va être joli. Ça va faire une belle ligne d'assemblage. Alors, il faut que nous mettions au cul de celle-là les... Est-ce que c'est aligné, ça? Oh yes, c'est aligné, c'est trop beau. Dites-moi que c'est les alternatives. Oui, c'est les alternatives. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est formidable. Merci, la vie. Alors, il faut qu'on mette donc les broyeurs qui viennent d'ici, les supercalques qui arrivent là, et les cristaux de quartz qui arrivent de là-bas. Oh, ça va pas être... Si, ça va être bien, ça. Si, 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 ça va être bien. On va pouvoir tout bien aligner. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Alors, attendez. Là, il faut se concentrer, mais normalement, il y a moyen de faire un truc vraiment classe. Si on fait ça comme ça. Ensuite, on en fait un comme ça. Et pour le quartz, on le fait en hauteur de 5. Ou en hauteur de 4, ça devrait peut-être suffire. Attendez, je vais vérifier. Ouh, ça va être joli, ça. Ça, ça va être beau. Vous allez... Attention, attention, je vous le dis. Là, je suis dans la zone. Là, ça va être joli. Ok, ça, ça passerait. Et ça aussi, ça va passer. Ok, d'accord. Ok, donc on le fait en hauteur de 4 là-bas. Attention, là, ça va être du pro gaming. Si ça, ça réussit à bien s'aligner avec la hauteur de 4 ici, on va être les rois du pétrole. J'ai déjà bien aligné. J'ai bien aligné. J'adorerais apprendre qu'en fait, son trouble compulsif ne concerne que les jeux vidéo et que son rat appart est un bordel à rien d'aligné. Alors non, Gnurf de la grande cahute. Oh non, non, mon appartement est... C'est un appartement témoin. Il est parfait, l'appartement. Il n'y a rien qui dépasse. Si, de temps en temps, j'ai quelques livres qui, au lieu d'être parfaitement comme ça, sont un peu comme ça. Là, je vois, j'ai un classeur qui est comme ça, là, au lieu d'être parfaitement comme ça. Mais sinon, non, tout est aligné, tout est perpendiculaire, les draps sont tendus, les rideaux sont parfaitement repassés, il n'y a pas un pli. Non, non, non. C'est... Non, je suis désolé. Hein. C'est absolument tout parfait. Alors... Si, ok, d'accord. Je sais comment on va faire. On va faire ça. On va le faire rentrer là. Et là. Et... Là, ça va pas être bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonne nouvelle, d'après Sekan, RP1 serait compatible avec KSP 1.10.9. Donc c'est la toute dernière qui est sortie, la celle qui est sortie il y a quelques jours. Ah, il faudrait que je relance ça. Alors attendez. Attendez, attendez. On va faire ça. On va faire ça comme ça. On va faire tchac. Tchac. Voilà. On va être obligé de faire un petit haut bas. Mais c'est pas grave. Ça sera plus clean. On va être obligé de faire ça, pour laisser un petit peu de place ici. Là, normalement, on est méga bon. Là, normalement, on est méga bon. Tout devrait s'enquiller à la perfection. Là, on va faire un... On va faire ça comme ça. Ah là, ça va être joli. Là. Ah si,
pas fait de... Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me fais comme... Non, groupeur de convoyeurs, mon ami. Groupeur, 8, pas 7. Voilà. Ok, on est bien. On est bien. Et là, on va mettre les supercalculateurs. On va les mettre là. Tac, 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 tac. 1, 2, hop. Oh, ça va être magnifique. Ça va être magnifique, mais il faudra prévoir un petit décalage. Ouais, ça va être... Non, non, je sais ce qu'on va faire, je sais ce qu'on va faire. Oh, ça va être tellement beau. Oh, mon Dieu! Mon Dieu, arrêtez-le. Donc celui-là, on le laisse vide. Celui-là, on fait ça. Et là, on aligne avec le tapis en face. Si c'est aligné, j'ai un orgasme. C'est pas aligné. Non, c'est pas aligné. Je me suis trompé. Faut que je décale. L'orgasme est reporté. Hop. Là, ça va être aligné. Oh ! Mais enfin ! C'est aligné. Il était temps. Ok, là on est bien. On est très bien. Un stream KSP modé pourrait nous faire voir la lumière à abandonner ces Yakuza conseillés par un sinistre personnage. Oh, je pense que vous n'avez pas besoin de KSP pour abandonner Yakuza. Hein. Voilà quoi. Surtout quand on voit le streamer quoi. À mon avis, vous devriez avoir zéro personne sur ces streams. Je comprends pas pourquoi il y a du monde. D'ailleurs, je note les noms. Hein. Souvent, je passe, je note les noms et je me dis un jour, quand je serai président de Canard PC, je les bannirai tous. Alors là, on est bien. On va faire un truc ici. 1, 2, 3, 4. Hop. On fait... Trop coûteux. Ben oui, bien sûr, j'ai plus d'Alclad. Je vais aller en chercher. Je vais aller en chercher à ma zone de production d'Alclad, d'ailleurs. Ça sera plus proche. Oui, je pourrais tous les nommer dans une diatribe nommée Yakuza, c'est ça. Alors, c'est tout là-haut que je stocke mon Alclad. Je vais m'en prendre un petit peu parce que j'en aurai besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Qu'est-ce que je peux jeter? Bon, je vais jeter toutes ces merdes là. Ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Le béton j'en ai... Oh, je vais aller voir les disques durs. Ça fait longtemps, il faut que je lance mon dernier disque dur. Attendez, on y va. Ça va être rapide. Hop. Oui, que je reprenne les streams, les rênes du stream CK3. Ouais, je m'y suis pas encore mis beaucoup à Crusader King 3. Je vais avoir ma période Crusader King 3. Là, pour l'instant, je suis vraiment dans Satisfactory. Je voudrais vraiment bien terminer proprement Satisfactory. Faut aussi que je vous fasse des streams Flight Simulator. Je pense qu'on fera un stream Neofly dans quelques temps. J'ai déjà beaucoup de jeux en cours, là. Soviet République aussi. Il y a trop de jeux, pas assez de temps. Mais ça se termine, Satisfactory, demande Bob Bobby Mike. Quand j'aurai produit tout ce que je veux, je dirais c'est terminé. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Qu'est-ce que je voulais faire? Les disques durs. Alors, quelle recette? Ça, j'en ai pas besoin. Eh ben... Alors, ouais, lingot d'acier. Allez, dernier disque dur. Ah, j'ai pas eu beaucoup de chance au niveau des... J'ai eu une bonne recette et puis après les autres, c'était un peu toute la merde. Enfin, de la merde, non, mais j'en avais pas trop l'utilité dans l'immédiat, quoi. On retourne au turbomoteur. Je sais pas si j'aurais fini avant 23h, mais j'aurais fini à 23h30, je dirais. Ça va peut-être te gêner, Agbou, mais c'est toi qui me fais regarder les streams de Noël. Eh bien, j'espère que je voudrais te faire déregarder les streams de Noël. Où est-ce que je voulais aller par là-bas.
terminer proprement égale bétonner toute la carte pour en faire une grande esplanade à perte de vue. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Il faut que je termine avec une usine dont je sois extrêmement fier. Alors je suis déjà extrêmement fier de mon usine, hein, bien sûr. Mais on peut toujours être encore plus fier de son usine, je pense. On va faire tout de suite les convoyeurs. Tiens, on va faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Je vais tout mettre à terre ici. Hop. Là, je dois avoir du quartz. Ok, on est bon. Du quartz. Ok, on est bon. Je vais en profiter pour les programmer maintenant. UCR alternative. La meilleure recette du monde. Je crois qu'il faut que je l'underclock. Non, pas sûr, pas sûr. Non, je ne les underclock pas du tout, celle-ci. Hop, hop. UCR alternative, on est bon. Hop. Ok, on a fait un tiers du boulot pour cette série de façonneuses. Il nous faut encore... Alors, on va apporter ça. Attendez, je check. Ok, on va mettre ça comme ça. Là, on doit avoir du supercalculateur. C'est beau ces éléments de supercalculateur. Parce que c'est tellement de sueur à faire les supercalculateurs. Hop, hop, hop. On fait les tapis roulants qu'on apporte de l'autre côté. Ok, d'accord. J'ai vu l'erreur que j'ai fait. Hop, hop, et hop. Je recommence. Ok, faut que j'arrête d'être con. Faut que j'arrête d'être con. Ouais, c'est impératif. Impératif. Répartiteur de convoyeurs. Allez, fais un effort. Fais un effort, Olivier. Ouais, mais... Vous voyez, ça c'est aussi un truc chiant. Voilà, alors... C'est la soirée des développeurs. Regardez ça. Regardez, ça c'est un truc qui m'énerve. Vous mettez un groupeur de convoyeurs, un répartiteur de convoyeurs, vous organisez bien le sens. Vous dites, voilà, il faut qu'il soit dans ce sens, avec la flèche orange à droite. Et vous voulez l'empiler, et là, la flèche orange a changé de sens. Magiquement. Vous savez pas pourquoi. Il va falloir serrer les boulons... chez les développeurs de Satisfactory. Ok, donc là, hop, on fait attention au changement de sens magique, et on fait comme ça. Ok. 5, ça va là. Et là ensuite, je fais ça, 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 je fais ça. Et ça y est, j'ai enfin l'award de meilleur programmeur 2020. C'est merveilleux. Alors, il nous manque le dernier petit truc à faire. Ça va être super simple. Puisqu'on a fait toute la structure. Voilà. Là, on va avoir des broyeurs. Alors ils sont pas encore faits mais ils vont arriver, c'est pas grave. Ok, ok. Ah là c'est dommage. J'aurais bien fait un petit pont là. Oh je peux faire un petit pont. Attendez, est-ce que je peux faire un petit pont? Ouais je vais faire un petit pont. Regardez ça, regardez comment je vais faire un petit pont. Ça c'est du pro gaming. Ça, c'est de l'ultra pro gaming de niveau 75. Voilà, tchac. Répartiteur de convoyeurs ici. Oh là là, comment je maîtrise les convoyeurs, les répartiteurs, tout ça. Non, c'est indécent. Je suis désolé, j'aurais dû limiter le stream uniquement aux pro gamers parce que là, les casus, ils doivent faire une syncope devant leur écran en se disant, mais c'est pas possible, il est trop fort. Voilà, et là, on est bien. Et là. Oh là 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 là, mais la beauté, la beauté, la beauté avec un petit pont ici pour passer tranquillement. J'en ai des vertiges. Mais non, en temps plan, c'est pas se prendre le chou, c'est faire un truc beau. Regarde comme c'est beau. Ah, c'est magnifique, c'est... Quel talent, quel talent, quel talent.
savez quoi, si j'avais streamé en anglais, là, j'aurais probablement un poste dans le gouvernement de Biden. Il m'aurait nommé secrétaire d'État à l'industrie, un truc comme ça. Alors évidemment, en France, hein, là, mon talent sera pas reconnu. J'attends toujours le coup de fil de Macron, qui n'arrive pas, hein. Je lui ai envoyé des messages, il a pas répondu. Enfin bon, je vous passe le... Ok, là je crois que je suis tout bon, Je vais juste... Est-ce que je fais l'électricité maintenant? Non, on va pas faire... Ah, ça va être dit. Non, on va pas faire l'électricité maintenant. On va faire encore deux autres façons... Qu'est-ce que ça va être beau. Oh. Non mais regardez ça. Regardez ça un petit peu. Oh, oh là là là, c'est magnifique. C'est sublime. Alors... Il me reste les façonneuses à turbomoteur à faire. Il faudra que je prenne des broyeurs, des autres broyeurs qu'on n'a pas reliés, les UCR, 15 moteurs, 15 caoutchouc. Je vais noter tout ça, sinon je vais oublier et je vais être obligé de revenir, de changer de scène. Il nous faut donc les broyeurs normaux. Il nous faut les moteurs, le caoutchouc. Et il nous faut les UCR. Ici Manu Macaron, Agbou. Tu veux devenir mon secrétaire d'état du jeu vidéo, sans but, mais toujours angle droit. Oh, qu'est-ce que je serais bon en secrétaire d'état du jeu vidéo. Déjà, il y aura... Alors, je vous dis, secrétaire d'état au jeu vidéo, déjà... j'arrête de faire bosser les enfants en classe l'après-midi parce que je trouve qu'on fait trop bosser les enfants, c'est un scandale. Les enfants sont pas faits pour suivre des cours pendant X heures par jour. Faut les faire bosser le matin, on va dire 8h30, 11h30, 3h maximum, avec une récré d'une demi-heure entre les au milieu. Ensuite, l'après-midi, ça serait uniquement jeux vidéo. Je serais populaire. Par exemple, les CP, ils joueraient à Candy Crush, des petits puzzles comme ça, pour améliorer leur capacité de réflexion. Et puis ensuite... au fur et à mesure, collège, tout ça, on jouera Crusader Kings, Kerbal Space Program, Rimworld, des jeux de gestion, Anno, City Skyline pour apprendre l'urbanisme et tout ça. Franchement, la France serait... La France... Vous savez quoi, si j'étais dans le gouvernement, la France aurait une chance de s'en sortir. Malheureusement, j'ai des idées trop neuves. J'ai un esprit trop avant-gardiste. Merci Jipada d'avoir pris ton troisième mois d'abonnement et merci pour le soutien. J'espère que tu voteras pour moi, Jipada... Quand je me présenterai aux élections. Il y a un mec aux États-Unis qui est le candidat du gaming, hein, qui est sur Twitter et qui fait des trucs rigolos. Enfin rigolo. Si, c'est rigolo. Il fait comme s'il était candidat à la présidentielle, mais avec une orientation jeu vidéo. Ça veut dire que je pourrais être prof de RimWorld un jour, demande Bob Bobby Mac. Mais bien sûr, il y aura des profs de RimWorld, il y aura des profs de KSP, il y aura... voilà. Ouais, l'après-midi, ça sera jeux vidéo, ensuite sport. Non mais sérieusement, s'il y a quelqu'un au ministère de l'Éducation nationale qui m'écoute, arrêtez de mettre les enfants en classe 8 heures par jour, leur faire des leçons, pour apprendre des trucs, voilà. Je suis d'accord qu'il faut apprendre, voilà, le calcul, la grammaire, c'est important, bien sûr, l'histoire, c'est important. Mais il faut... Un enfant, ça se développe aussi autrement, hein. Ça se développe pas devant... ça se développe pas forcément qu'un pupitre dans une salle de classe. Et... Alors... Broyeur, moteur, caoutchouc, UCR. Les moteurs sont là. On va tout de suite les ramener. Je me demande si un enfant qui joue 8 heures par jour à Satisfactory, est-ce que je donne plus tard. Mais évidemment qu'il ne faut pas jouer 8 heures. Tout est une question de temps. Bien sûr qu'il faut pas que les enfants jouent 8 heures par jour aux jeux vidéo, c'est stupide. Surtout pas qu'ils fassent ça. Mais entre autres activités éducatives, le jeu vidéo pourrait être d'une aide formidable. Je suis désolé, moi Crusader Kings 3, ça m'a plus appris l'histoire que le primaire et le collège réunis. Hein. Ok, on est bien. Alors, on va dire qu'on va le faire démarrer. On va le faire démarrer, là. On va poser the first brick.
Et on va commencer par les ordinateurs, tiens. Ouais, on peut commencer par les ordinateurs. Hein. Non, on va commencer par... ouais, ça va pas être aligné. Ça va pas être aligné, c'est chiant. On va faire ça. Là, c'est magnifique ce que je vais faire. Là, je vous le dis, ça va être magnifique. Ah, je vais jouer la full symétrie. Là. Oh, je vais jouer la full symétrie, ça va être incroyable. Là, ça va devenir... là, coucher les enfants, hein, ça va devenir pornographique. Hein. Alors, hop, on va faire ça. On va faire... 1, 2, hop, hop, hop. Je vais essayer de faire un ensemble. Parce que là, c'est pas symétrique, en fait. Enfin, c'est symétrique, si, mais c'est pas inversé. Les deux trucs d'alimentation sont pas inversés. Là, on va les faire vraiment symétriques, pour que ça soit encore plus beau. Couchez les enfants, s'il vous plaît. Ils vont voir des choses qui vont les choquer. Après, ils vont vous poser des questions embarrassantes. Ils vont vous dire, « Papa, pourquoi le programmeur, il fait des trucs symétriques alors que toi, non ?» Et là, vous allez être là, « Bah, écoute, oui, tu sais, c'est un programmeur, il est très connu. Il est international. Quand je me suis renseigné sur la guerre de 100 ans pour faire ma campagne perso sur AOE, j'ai davantage appris et retenu qu'en un trimestre d'histoire. » Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Moustouk d'avoir pris ton 5e mois d'abonnement. Bonsoir à toi. Alors, là on va être bon et on va être bon. Vous voyez, regardez, ça va être bien symétrique. Oh là 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 là. Toute cette beauté. Toute cette beauté. Papa, pourquoi tu fais des pinces à cornichons? J'ai jamais fait de pinces à cornichons. J'ai peut-être fait des pinces à cornichons temporaires, voilà, mais elles sont jamais restées très longtemps. Contrairement au mur flottant du Père Slurp. Alors, où en étais-je? Avant d'être interrompu par vos simagrées. Tac, il nous faut les broyeurs et il nous faudra aussi le coup de chou. Ok. Alors là, faut réfléchir. Là, attention, c'est du programming. On va faire. C'est droit, ça? Oui, c'est droit. On va donc faire les... Voilà, c'est ça que je voulais prendre. Hop. On va le faire arriver ici. Ici. 1, 2, hop. Voilà. Là, on fait un convoyeur 5. On va essayer de l'aligner convenablement, ça va encore nous prendre 4 essais, je vais poser ma démission 5 fois. Oh, serait-ce aligné du premier coup? Mais c'est aligné du premier coup. Mais c'est un... Vous savez quoi? C'est un miracle de Noël. Alors non, par contre. Là je fais une petite bêtise. Parce que là, il faut faire comme ça. Oui, si j'ai pris cet étage-là, il faut que je fasse ça. Et si je faisais ça, est-ce que ça sera aligné? Ouais, je vais tenter un move de programmeur, bougez pas. Et ben voilà, on va faire des gros étages. Ça va être joli. Alors là, il faut le faire ici, si on veut être symétrique. Ok. Ah, je suis dans la zone. Notez, enregistré là. Sortez les VHS, je suis dans la zone. Ça doit être comment? Ça doit être comme ça. Faudra que je corrige plus tard parce que ça va pas être dans le bon sens. Mais c'est pas grave. Ok. Donc là, on est symétrique. Ensuite, c'est bon. Ok. C'est bon. Avant 23h, c'est torché. Encore une fois, j'ai réalisé un exploit. Je vous dis, Macron m'appellera pas, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Il ira prendre des hauts fonctionnaires, des gens qui font des TED Talks. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Me serais-je trompé? Non. Je ne me serais-je pas trompé. J'ai juste fait une petite erreur. On corrigera tout à l'heure. Quand on mettra tout bien au propre. Ok. Là, on est bon. Là, on va être bon. Ça va le faire, ça va le faire, vous inquiétez pas. Je suis dans la zone. Terminé avant 11h. Peut-être pas d'électricité, remarquez, mais... Hop, 5... Voilà. Et là, il y a des ordinateurs qui arrivent. Des moteurs, c'est ça. Là, il y aura les UCR. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à faire. Alors attention, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Non, j'ai pas fait de connerie, c'est bon. Nous n'avons plus qu'à prendre un petit peu de coup de chou qui se trouve ici. Et nous allons terminer cette belle chaîne de montage. 1, 2... Hop. On va le faire arriver, on va dégager ça. On va donc le faire arriver, c'est aligné au milieu. Tac. Tac. Alors, là, si ça s'aligne avec le quatrième, j'ai un orgasme. Je vous le dis tout de suite. J'ai un orgasme direct. Grave, j'avais prévu, on s'inquiète pas. Hop, 7, tac, on le met là. 2, 3, 4. Attention. Non, j'aurais pas d'orgasme, mais c'est pas grave. On va le mettre là. Allez, est-ce que ça va s'aligner là? Ça s'aligne pas, c'est pas grave. On augmente un peu la taille. De 1, ça devrait suffire. Là, ça va s'aligner. Ça s'aligne. Est-ce que c'est droit? C'est droit. Est-ce que c'est droit? Non, il manque encore un petit cran. Ok. On va y arriver. Je suis dans la zone. Je suis full concentration. Attendez. Si je fais ça. C'est droit, ok, c'est droit et ça sort au troisième truc, c'est impec, c'est parfait. C'est exactement qu'est-ce que je voulais. Ok, on est pas mal. Il te manque pas du heatsink pour le manufacturer de turbomoteur. Non, je peux pas le mettre sur le deuxième parce que si je le mets sur le deuxième, après, tu vois, si je le mets sur le deuxième étage, après, je peux pas faire descendre comme ça. Je crois que c'est l'autosave, ça. Il ne te manque pas du heatsink pour le manufacturer de turbomoteur. Non, je crois pas. Je vais vérifier. Je sais pas si tu me troll ou pas, Père Castor. On va vérifier. Hop. Il me faut 12,5 broyeurs. Là, il faut... Là, j'ai 15 broyeurs. Là, ça va m'en sortir 7,5. Normalement, non. Non. Le broyeur, c'est le broyeur thermique. Alors, attendez. On se reconcentre, là c'est sérieux. C'est pas l'heure de faire gna gna gna. C'est very very serious business. Ok, donc il faudra que je le fasse arriver là. On va le faire arriver. Non, on va le faire arriver comme ça, ça sera plus joli. Hop. On le met ici. Là, on met... ça, hop, et là, il y a du coup de chou qui va arriver. Ok, on est bien. C'est bien du coup de chou qu'il me fallait, c'est du coup de chou. Ah oui, j'ai aussi... J'ai aussi un autre truc encore. C'est quoi que j'ai à mettre? Merde. Broyeur, moteur. Les unités de contrôle radio, c'est là. Broyeur, moteur, coup de chou. Qu'est-ce que j'ai pas installé encore? J'ai installé le coup de chou. J'ai installé les moteurs. J'ai installé les UCR. Et oui, il manque les broyeurs qui sont là-bas. Ok, d'accord. Oui, il me faudra un étage encore. Il me faudra le troisième étage.
Ok, ça va commencer à devenir chaud là. Ça va commencer à devenir chaud, mais je suis un grand pro-gamer, ça ne m'impressionne pas. Ok, on fait ça là. Ça là. Ouais, j'ai encore un étage de dispo. Là, c'est au troisième étage, on le met là. On met ça là, ça va être chaud, ça va être chaud. Ouais, j'espère que ça va rentrer après. Ok. Donc là, j'ai du caoutchouc. Et ensuite, mes broyeurs. Mes broyeurs qui sont là-bas. Ok, d'accord. Mes broyeurs qui sont là-bas, il faut que je les amène. Et je vais les amener là. Et je vais les amener. Je vais les amener au quatrième étage, ici. Là, ça va être un peu plus chaud à faire. Groupeur de convoyeurs, est-ce que c'est ça? C'est un groupeur de convoyeurs. J'ai bon. Tiens, on va les faire passer ici, ça va être joli comme tout. 1, 2, hop. Là, ça va être... Ouais. On va voir. Pardon, excusez-moi. Je suis tellement dans le truc, là, je suis dedans, là. Je suis en train de terminer un truc compliqué. Là, vous voyez vraiment un pro-gamer dans l'exercice de son art. Là, je vous dis, c'est beau, c'est impressionnant. Très, très impressionnant. Ok. On va le faire... Voilà, sortez les VHS, hein, là, vous avez jamais vu ça. 1, 2, hop, 5, hop. Apparemment c'est là, hop. Je fais tellement peu d'erreurs, je bouge tellement dans la zone. Oui, sortez les mini disques, hein. Sortez les Betamax, hein. Là, je vous dis, je suis au sommet de mon art. Sauf que je suis pas très bien aligné. Si, je suis bien aligné. Si. J'ai douté de moi. Quelle horreur. Que je ne m'y reprenne plus. Là, je vais essayer d'aligner ça. Premier coup d'œil. C'est l'orgasme. C'est l'orgasme direct. Est-ce que c'est droit? C'est droit. Oh, non mais arrêtez. Là je pense quand même que je vais me vautrer. Je pense qu'il y a un endroit où ça va pas passer. Ok, alors maintenant il faut que je fasse passer ça comme ça et que je le fasse arriver là-bas. Ok. Donc là on s'en fout. Là on s'en fout. Là par contre. Là par contre c'est dans ce sens là. Là ça commence à devenir compliqué. Hein. Et là c'est dans ce sens là. C'est de l'autre couture. Là je vous fais vraiment un truc du précision. Je vous fais... c'est la démonstration là. C'est the lesson. Oui. C'est comme ça qu'on dit the lesson. Ok. Ce qui maintenant me permet de faire un étage ici. Oh là là, regardez, ça va faire une pyramide. Oh non mais regardez, ça va faire une pyramide si... Tout est dit, voilà, ça y est, j'ai terminé le jeu. On peut dire, j'ai terminé le jeu. Il n'y a plus rien d'autre à faire, on fera pas plus beau que ça. C'est fini. Plier les gaules. Là c'est le top du top. Là c'est le top. Le Mbappé du stream français. Le Maradona du stream français. C'est...
Hop, hop, est-ce que j'ai tout bien connecté? Là maintenant il faut mettre sous tension et puis voir si on a tout bien connecté. Mais normalement je crois que c'est bon. Là ça, ça doit descendre. Ok c'est bon, on a bien tous les trucs ici. Pff, non, regardez ça, on a une pyramide s'il vous plaît. Regardez la symétrie. On a une pyramide ici, oh, une pyramide inversée. C'est trop, c'est trop, c'est too much. C'est too much. Merci Styrefr pour le soutien. Et oui, et c'est reparti. Le tapis roulant ne clip pas dans les répartiteurs. Non, c'est en fait, non, ça clip pas. Tu vois, voilà. Ça, c'est toléré. Ça, c'est toléré. C'est le répartiteur qui sert de soutien au... qui sert de soutien au tapis roulant. Franchement, ça va. C'est pas un souci. C'est pas un clipping dégueulasse comme ce qu'on voit dans les bases de casu. Ok. On installe l'électricité. Je vais partir. Je vais partir d'ici. Alors apparemment, il met automatiquement... Ah ouais, ça c'est bien. Il met automatiquement les trucs d'alimentation. Ça c'est cool. Ça c'est super cool. Oh là 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 là, ouais, ça quel bonheur. Ça va être pratique. Ok. Je vais aussi... Non, faut que je fasse passer une. Je vais regarder où sont les connecteurs. Cela dit, les connecteurs sont un peu chiants, là. On va faire simple. On va faire simple. Il est où le connecteur? Il est là. Et il est là. Ok, d'accord. Ça va être chiant. Ça va être chiant pour passer ça. Ça va être chiant. Où est-ce que je l'ai mis ? Je l'ai mis là. Ah, le problème c'est que ça ruine la symétrie si je mets. Je voudrais bien qu'on garde la belle perspective comme ça. Là. Je peux faire tout arriver du plafond. Ouais, effectivement. Je pourrais faire les plafonds et faire tomber les connecteurs électriques. Pour avoir un sol complètement propre. Ah, ça pourrait être cool. Je vais aller chercher un peu de béton, je vais finir en vitesse. Je vais finir en vitesse la structure. On va tenter ça. On va voir ce que ça donne. Bah j'aurais dû prendre le. Ah oui, non, sorry, il est détruit. Les vraies pyramides n'avaient pas de problème avec la symétrie d'électricité, dit Harald Eldritch. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'aurais pas de problème avec la symétrie non plus. On va tout faire tomber des plafonds. On va profiter des avantages de la dernière update. On va faire du beau. Faudrait qu'il crée des goulottes pour l'électricité sur les murs, ça serait un peu moins dégueulasse. Tout à fait. Moi j'ai acheté, on peut acheter facilement des espèces de goulottes qui se collent au bas des... J'en ai plein chez moi qui se collent au bas des plafonds pour faire des installations électriques vraiment propres, où on voit vraiment aucun câble. C'est très pratique, je vous conseille. Alors, tac, 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 tac. Oh, ça devrait... Oh, quoique, non, on a de la construction à faire, hein. Je vais aussi prendre de la plaque. Je vais aller en chercher directement à la réserve. Plaque de fer. Hop. Hop. Et on va bétonner un petit coup. On va faire plaisir. Il est 11h, dimanche soir. On va faire plaisir, on va bétonner. Hop, hop. En vrai, le mieux, c'est de l'encastrer avec isolant plus batte 13. Ça, je suis pas assez bricoleur pour faire tous ces trucs. Mais c'est une vraie frustration. J'aurais bien voulu être super bricoleur pour pouvoir cacher encore plus mes câbles à l'intérieur du placo et trucs comme ça. Mais je sais pas le faire.
suis vraiment pas, j'ai vraiment pas le niveau malheureusement. Alors, let's bétonner a little bit. C'est quoi déjà mon truc? C'est que je fais 3. Ah oui, bah j'ai déjà le modèle là, c'est impeccable. On va se rapprocher un peu pour voir l'orientation des dalles. Hop. Ah, s'il te plaît, sois sérieux. Alors là, non, et là, oui. Hop. Là, oui, ok. Qu'est-ce que c'est relaxant de poser du béton? Vraiment, je comprends pas ce qu'utilisent les mods pour poser le béton à toute vitesse, là. C'est, ça pète 50% de l'intérêt du jeu. C'est un exercice méditatif. Ok, là j'en fais 2. Hop. Hop, 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 hop. Non, non, non. Il me change l'orientation des... Il me change l'orientation des dalles de béton en pleine construction, je supporte pas ça. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Non, on n'est pas bien. C'était comme ça. Ok. Ok, ça avance. Après, ce qui m'embête avec les nouveaux bâtiments, c'est que j'ai plus de nouveau de schéma de couleurs parce que j'ai épuisé toutes les couleurs de la palette. Donc ça, je vais le peindre de la même couleur que j'ai peint le bâtiment des moteurs, l'espèce de vieux rose, parce que ça fait... Voilà, c'est du moteur aussi, donc... Mais apparemment, c'est plus compliqué que prévu pour eux de développer un truc où on aurait plus de 16 couleurs différentes. Je sais pas trop ce qu'il y aurait... compliqué à ça, mais après tout je ne suis point développeur. Hop, 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 hop. Et puis on va finir, ensuite on pose les fenêtres, et puis on sera bon, et ensuite on pose le plafond, et ensuite on fait l'électricité. Bon programme. Programme sérieux. Dans leur dernière vidéo, nous dit Mr. Slurp, ils ont parlé du problème des couleurs, et il n'est pas impossible que dans l'avenir on ait plus de 16 couleurs. Ah bah oui, il serait temps, hein, parce que franchement ça suffit pas. Alors pour toi Slurp, j'ai vu que ça t'avait suffi dans ton usine parce que tout était rouge et noir, mais moi qui suis un vrai créatif, avec un esprit libre, pas un esprit très engoncé comme le tien, ça m'a vite posé des soucis. Hein. Hop, là c'est posé, je vais poser ça là-bas. Là j'ai oublié un petit mur. Ah merde, faut que je revienne pour voir la l'orientation de la texture. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on est bon là? On est bon là. On est bien. On est bien, on est bien. On va faire les coursives. Ils ont annoncé une palette à 16 millions de couleurs après la mise à jour de l'engine. Ok, très bien. Et j'ai vu aussi qu'ils allaient régler le problème de... Régler le problème de l'espèce de brume dégueulasse là qu'il y a dans certains biomes. Ouais, moi j'ai pas peint mes tapis roulants, j'en ai pas ressenti le besoin impérieux. Bon. Après, c'était dans la base de Nfafa où il y avait des tapis roulants peints. C'est vrai que c'est joli, hein. Pourquoi pas?
Ça fait du bruit de béton. Hein. Comment je pose ça à la vitesse de la lumière? Quel skill, quel skill. Alors on est bien, je ferai les barrières plus tard, c'est pas très important. Maintenant il faut bétonner le plafond. Je veux juste vérifier que j'ai pas fait d'erreur dans le sens des dalles. Parce que alors si je fais ça, je vais encore me faire un cracher dessus par le chat. Non, on a l'air d'être tout bon. Alors réglé pas encore, mais la nouvelle version du moteur apporte de meilleures possibilités de simulation de l'atmosphère. Donc peut-être plus tard, meilleur brouillard, mais pas tout de suite. D'accord. Après, ils doivent peut-être en avoir marre de bosser sur le jeu. Hein. Parce que là, ça va faire quoi, 5 ans, 6 ans qu'ils bossent dessus. Le truc, il est toujours en early access et ils ont pas fini, quoi. Ils sont encore quand même loin d'avoir fini. Hein. Ah! Alors là, voilà, là on entre dans la zone de souffrance. On entre dans la zone où je vais faire des erreurs. J'ai mal placé les dalles. Si je fais 5 erreurs, je démissionne. Mais non, petit saut. Ne tombe pas dans le vide. Moi je trouve que ce jeu manque de tuto et d'IA. Pourquoi tu voudrais une IA dans ce jeu? Toi t'es du genre à vouloir des combats, des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est vulgaire en ton plan? J'ai plus de béton. Où suis-je? Attention, je vais effectuer ce qu'on appelle un move de programmeur, un jump, directement jusqu'au hub, à la force du jetpack. Une IA qui parle. Il y a une IA qui parle, hein. Il y a une IA qui dit je vous conseille de ramasser cet objet, machin chose. Oui, comme dans Peraspera. Ah d'ailleurs, il faut que je vous dise. Il faut que je vous dise. Vous avez peut-être suivi le stream Peraspera que j'ai fait. J'ai recommencé Peraspera en mode campagne. C'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Quand il n'y a pas cette IA à la con qui vous raconte sa vie tous les quarts d'heure, c'est nettement mieux, c'est nettement plus supportable. Le jeu est vraiment intéressant. Faut encore que j'y joue toute la semaine prochaine. Il sort la semaine prochaine, le 3 décembre. Le jeu est cool. J'ai fait la sandbox cette fois-ci. J'ai pas fait la campagne qui... Alors, la campagne, c'était insupportable. Alors, est-ce que j'ai assez de béton pour terminer? On va s'en prendre encore un petit peu. Hop, hop, hop. Tiens, encore un petit peu. Hop, on y retourne. Ouais, non, Peraspera, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je pense qu'il doit y avoir des soucis. Je pense qu'on va avoir des soucis d'organisation à la fin. Parce que le jeu est quand même un peu bordélique. Il faut s'étaler vraiment sur des kilomètres carrés de planète. Et puis au bout d'un moment, on finit par avoir beaucoup, beaucoup d'usines. Et c'est difficile de s'y retrouver. Mais c'est original. C'est pas aussi mauvais que ce que j'ai pensé pendant le stream. Oui, c'est austère, Nougat. Je suis d'accord, c'est très austère. Mais bon, on pourrait dire satisfactory aussi, c'est austère. Hein. Tu vois, c'est du béton, des tapis roulants, c'est pas non plus le truc le plus fun de la galaxie. Hein. Oh là, je fais un move de programmeur, je sors de l'hypertube et direct je monte à l'étage. J'aimerais faire remarquer qu'on approche de la fin de soirée et qu'on a toujours pas eu un seul mute du micro alors qu'on en a promis deux. Bah, je vais le faire. Je vais. Vous inquiétez pas, ça va venir. Allez, on home bétonne. Eh bien oui, la Marie-Louise, je place de la petite plaque de béton afin d'abriter mon usine. Car c'est très important d'abriter l'usine. Je vois souvent des usines qui n'ont pas de toit et sachez que cela m'embête beaucoup. Parce que je trouve que c'est pas très roleplay.
rapport au fait que dans la vraie vie, avec un tel soleil et un tel vent, les machines seraient abîmées. Elles seraient abîmées par le sable, abîmées par les rayons UV. C'est pourquoi, dans mon usine à moi, qui est une usine de programmeurs, je vous le rappelle, est-ce que j'ai pas fait une erreur là? Non. Toutes les usines sont parfaitement abritées. Et ça, c'est très important. Pas comme... Il est là, Draelia, ou pas? Non, je l'ai pas vu, Draelia, tiens. Ah, c'est dommage, j'allais lui chier dessus. Je peux pas dire que les usines de Mr. Slurp ont pas de toit, parce qu'elles ont toutes des toits. Elles ont même trop de toits, parfois. Allez, on envoie le bout. Ça nous aura pris quoi? 10 minutes. Et on va pouvoir faire l'électricité avec des beaux fils qui pendent du plafond. J'espère que le résultat est esthétique, hein, parce que pff, si je me rends compte que ça fait un truc de toile d'araignée dégueulasse, je vais être déçu. Oh, j'ai pas fait une erreur dans le placement des dalles de béton. Non mais je vous dis, j'arrive au bout du jeu là, je le maîtrise trop quoi, c'est... Merci la barbe de t'être abonné avec Prime. Merci pour le soutien. J'ai fait une erreur. Merci pour le soutien. Sois certain que cela fait chaud au cœur de toute la rédaction. Oui, c'est du programming la barbe. C'est bel et bien du programming. C'est en direct. Et j'ai fait des trucs extraordinaires ce soir. Si t'étais pas là, si tu viens d'arriver. Bah là, je me suis enfermé sur le toit. C'est un peu con-con. J'ai mis des petites barrières ici. Parce que sinon, je vais les oublier. Je me connais. Je me connais, je suis une tête de linotte. Barrière, non, barrière, c'est ici. Ok, on est bien. On est bien. Regardez-moi ça, regardez-moi cette symétrie. Oh là 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 là. C'est, en fait, c'est du Le Nôtre. C'est des jardins à la française de Versailles. Voilà, c'est ce que je fais. C'est là, le même niveau de compétence. La tipste qui demande si on peut jouer au jeu sans passer par la case Excel. Il bah, y a des sites qui permettent de planifier tout ça, ou sinon tu peux passer par des trucs un peu plus graphiques, comme les trucs qui permettent de faire du map mining, genre draw.io ou des trucs comme ça. Ça fait beaucoup d'espace perdu pour 4 usines, dit le grand peuple. Il n'y a pas 4 usines, il y a 4 façonneuses déjà, c'est important, les façonneuses, ça se respecte, les façonneuses, ça doit être mis en valeur. La façonneuse, là, elle serait pas mise en valeur si elle était entourée de... Voilà, là, on arrive, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce luxe? On se doute, ici, qu'on va fabriquer des objets de luxe, effectivement, on va fabriquer des turbomoteurs. T'es pas obligé de passer par Excel, mais... franchement, jouer à Satisfactory sans planifier un minimum... Au bout d'un moment, ça va être un tel bordel ton usine, tu vas plus t'y retrouver, tu vas plus savoir ce qui fait quoi, et tu vas être frustré. Alors, attention, là c'est le moment programming de la soirée, enfin pardon, le 83e moment programming de la soirée. On va un peu tester ce que ça donne de mettre les trucs au plafond. Alors d'où pourrait-on partir? Il faut qu'on amène l'électricité à l'étage, on pourrait l'amener par là-bas. Ça serait fort bien. Donc je vais dégager ça qui me sert à rien. Hop, ça fera propre sur les murs. Hop, là ça sert pas. Là ça sert pas. Alors là je crois que ça sert parce qu'on prend l'électricité là-bas. Et donc ensuite on fait tchac, on fait un petit tour ici. Un petit tour là. Ça va pas me servir pour l'instant. Ouais, non, ça va être moche, ça. On va faire ça. On va faire autrement. On va faire autrement. Attendez, j'ai une idée, bougez pas. Ça va être du programming encore. Ah, je vais essayer d'avoir un truc électrique ultra propre. Donc, on repart de là. Ça me fait quoi, là? Ça me fait un... Ouais, ok, c'est bien. Ça me fait ce que je voulais. Ah, la vilaine échelle. Va-t'en, vilaine échelle. Ah non, pas sous la coursive. Attendez, pas sous la coursive. Oui, j'ai oublié de placer mes poutrelles en béton. J'ai oublié de placer mes poutrelles, mes cadres de fondation. Et ça, c'est chiant à placer. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde que je viens de faire, là? Allez, on se concentre.
Concentrez-vous avec moi, les amis. Hein. C'est important. Ok, ça va être à cette hauteur. Donc, on va le mettre là. On va faire tchac. Tchac, 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 tchac. Tchac. Ouais, on va essayer de faire un truc super propre. Et est-ce que ça va clipper là? Ouh là là, attention. Attention, warning, risque de clipping. Je crois que ça va pas clipper. Pff, ça va clipper sa race, ouais. Ah, quoique, pas sûr, pas sûr. On va vérifier. Non, ça clip pas. Ça clip pas, ça clip pas. C'est un peck. Et là, on va profiter de l'ouverture que j'ai déjà faite ici pour faire monter l'électricité au plafond. Malin! Hop, 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 hop. Et voilà. Et là, on a l'électricité au plafond. On va peut-être d'abord mettre un petit truc comme ça, le faire bien droit. Ok. On a l'électricité au plafond. Attention, c'est la nouveauté, ça. Soviète République, est-ce que je conseille toujours de Maman Doublion? Oui, je conseille à fond Soviète République. C'est absolument génial, Soviète République. Très très grand city builder. Je dirais le meilleur city builder disponible actuellement. Ouais, mais alors, je vais vous dire ce qui va être super chaud. C'est de faire que les fils soient droits. Parce que moi, je voudrais qu'ils tombent tous du plafond en étant parfaitement droits. Mais ça va être ultra chaud, regardez. Ça veut dire que là, il faut... Oh, quoique, non, attendez, attendez. Ça veut dire que là, il faut la ligne à la perfection. Ah, là, c'est pas tout à fait droit, hein. Ouais, de toute façon, ça sera pas tout à fait droit. Donc autant mettre un petit angle, parce que ça sera pas tout à fait droit. Ça peut pas être tout à fait droit, vous voyez, c'est soit comme ça, ça va être un peu d'un côté ou de l'autre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de la grille pour faire de la belle symétrie. Ouais, on va faire ça, ça va être très joli. Ah bah oui, mais de toute façon, la symétrie, elle est baisée parce que les trucs sont pas en miroir. Donc, on va essayer de faire le plus droit possible. On va essayer de faire droit et un petit peu aligné. Allume ta lumière. Oui, oui. Bon, paraît pas super utile, mais... Peut-être vous, pour que vous voyez mieux, mais... alors, ça sera aligné ici. Et là, ça va être aligné... Ah, quoique là, ça a l'air droit, hein. Ça a l'air droit, droit, là. Hop. Et donc ici, on va le mettre là. Non, c'est pas parfaitement droit ici. On va le décaler de 2. Hop. Alors après, il faut mieux se faire chier. Hein. C'est plus simple de les mettre au mur, hein, je vous avoue. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un poteau électrique là. Voilà. Merde, je vais perdre l'emplacement. Hop. Ah si, ça peut être... C'est pas mal, hein. C'est propre, hein. Franchement, c'est propre quand c'est complètement noir. Du coup, là... Je vais l'aligner bien comme ça, ici. Là, ça sera encore plus propre. Et là, je fais ça comme ça. Ça peut être cool quand c'est vraiment très bien droit. Quand c'est vraiment très bien droit.
C'est possible à un moment de mettre de la lumière dans une pièce. Il y a des mods qui rajoutent de la lumière, mais ils bouffent énormément de FPS. J'en ai mis sur mon hub. Le problème, c'est que si je mets 80 lampes ici pour tout illuminer, on se retrouvera à 3 FPS. Mais les développeurs disent qu'éventuellement, un jour, ils trouveront une solution pour faire de la vraie lumière. Ce qui serait bien cool. Alors là, on va encore... Ah bah oui, là, c'est bien aligné. Là, ça va être beau comme tout. Regardez-moi ça. Ouh là là, j'ai pratiquement plus d'énergie, plus de vie. Est-ce que là c'est droit? Oh, c'est bien droit quand même. C'est pas mal. Ok, donc faut l'aligner sur ce truc là. Et sur ce truc là, ça va être ici. Non, j'ai raté. Ça va être là. Et ça va être là. Voilà. C'est propre. Ici, on l'aligne donc. Ok. On l'aligne. J'ai pas vu. Ok. Ici. Ah, c'est bien, hein. C'est super clean. Oh, oh là là. Ah, c'est clean, hein. Assez propre. Merci Dora Baldur pour ton 6e mois d'abonnement. Merci pour le soutien. Oui, il n'y a pas de courant, mais c'est pas grave. On fait juste les fils. Là. Par contre, avec 15 fonderies, ça risque d'être relou. Oui, mais je te dirais qu'avec 15 fonderies, tu peux mettre un plug V2 et puis faire tomber en éventail comme ça sur toutes tes fonderies. Parce que les plugs V2, je crois que ça prend 7 ou 8 connexions. Donc ça peut être sexe aussi. Hein. Là, c'est classe. Non, ça manque pas d'échelle, Frédégonde. Non, je fais pas de devis, Douguette. En plus, l'électricité, ça me fait peur. Ah non, là, c'est classe. Hein. Alors là, ça risque d'être peut-être un petit peu moins classe. On va voir. On va essayer. Cela dit, pourquoi il n'y a pas de courant? Attendez. Qu'est-ce que j'ai pas relié? Il devrait y avoir du courant, là. Sélectionner un plan. Je vais tout de suite prendre turbomoteur. Il est où, le turbomoteur? J'en fais tellement rarement que turbomoteur. Si, si, il est sous tension. C'est sous tension, c'est bon. Turbomoteur. Oh. Est-ce que ça défile? Bah, ça défile bien. Ok. Alors, on a plus que 4 petits fils à faire. 4 petits fils à faire. Alors là, faut qu'on l'aligne bien proprement ici. Alors ici l'alignement ça serait là, comme ça. J'ai déjà perdu, super, bien joué, ok. Et là l'alignement parfait ça serait... Ça serait... Oh, j'ai déjà perdu l'alignement. On va voir si ça marche. Non, je crois que ça serait mieux si c'était un cran plus par là. Voilà. Est-ce que ça tombe droit? Non, en fait c'était mieux avant. Autant pour moi. Ok, on est aussi droit qu'on puisse l'être. Et là... Ah non, on n'est pas super droit non plus. On va se décaler là. On va voir si c'est plus droit. Là on est bien droit. Et là sur cet axe... On est correctement droit, on va dire. C'est pas parfait, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Ok. Elle est alimentée. Oh, qu'est-ce que ça fait propre? Ah, c'est au cordeau, là. Alors, l'alignement est ici. Et sur cet axe-là, excuse-moi, est-ce que je peux mettre mon électricité convenablement, s'il te plaît, merci. Et sur cet axe-là, si on est bien au centre, on se trouve là. Non, je me suis vautré là. Non, je me suis vautré.
se trouve? On se trouve ici. Ici. Est-ce qu'on est droit? Ah, et puis les fils vont être... Oh là là, les fils sont bien alignés, là. Salut, Maître Platon. Pouf. C'est trop de beauté. C'est trop de beauté. C'est trop beau. Alors, là, l'alignement, c'est... 1. 1, 2. Et l'alignement de cet axe, c'est ici. 1, 2. Hop. On est bien droit. On est bien droit. Et la dernière. Alors que tout commence à se mettre en route petit à petit. C'est beau, c'est beau, c'est tellement beau. Donc là, on va rester sur cet alignement-là. Après, je sais pas si je ferai tous mes alignements comme ça, tout mon électricité comme ça, parce que ça demande quand même beaucoup plus de travail que... Beaucoup plus de travail que les alignements, enfin que les alignements, que les simili-alignements qu'on fait à partir des murs. Là c'est pas top top droit là. Non là ça me plaît pas, ici ça me plaît pas, ça sera ici. Voilà c'est mieux. Et là, je vais voir si c'est... Non, si c'est bien. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Alors, regardons un peu la vision d'ensemble. Tiens, on va se construire une petite échelle, ce sera plus pratique. Hop, 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 on va se construire une échelle ici. Ah ouais, ça fera plaisir aux échellistes. On est bien aligné. On est bien aligné. Et là, on va être bien aligné. C'est magnifique. C'est vertigineux de beauté. Regardez-moi ça. Oh. Ah, c'est quand même plus clean. Une usine bien espacée, sans aucun fil électrique. Les échellistes, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Effectivement. Bon, bah c'est splendide. Juste vérifier que les ressources arrivent. Que les ressources se produisent déjà. Ici, est-ce que ça se produit? Ça se produit. On est bien. Ici, ça devrait se produire aussi. On est parfait. Et là, du coup, ça devrait se produire bien comme il faut. On est parfait et on est déjà à 100%. Alors, je vais pas tenir les 100% très longtemps parce qu'il va me manquer des moteurs et il va me manquer un tout petit peu d'alclade. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. On upgradera les chaînes de production ou je le ferai en stream, je verrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra augmenter la production de moteurs. Parce que là, j'en produis 7,5, il faudrait que j'en produise 15. Donc, il faudra que je fasse une nouvelle usine dans ce coin-là et que je produise... ordinateur. Il faudra que je produise plus d'ordinateurs, j'en produis pas assez. Mais là pour l'instant tout sort bien. On va faire un petit caisson pour stocker tout ça. Un petit caisson, c'est où? C'est une organisation les caissons. Hop, hop. On va faire une belle symétrie. Hop, hop. Hop, groupeur de convoyeurs ici s'il te plaît. Puis éventuellement mettre un broyeur, parce que le but des turbomoteurs, hein, c'est pas tellement les turbomoteurs. Hein. C'est... non c'est pas droit ça. C'est de tous les balancer dans le broyeur pour faire un maximum de points. Et ben, ah je les construis dans le mauvais sens. Suis-je bête. Organisation. C'est magnifique.
Bon, alors il y a quelques fils qui sont pas parfaitement droits, mais on peut pas les mettre parfaitement droits, hein, parce que la place dans la place des connecteurs est pas parfaitement alignée sur la micro-grille des fondations. Enfin, je crois, hein. Ouais, je crois. Là, par exemple, si on le décale d'un cran, je vais juste faire un petit essai. Si je le décale d'un cran ici. Non, c'est ça que... Voilà, c'est ça. Ah si, là c'est plus droit, là. Si, là c'est plus droit. Du coup, faut que je reconnecte tout. Hop. Hop, vous devez rien voir, hein. Vraiment, je mette ma lumière, hein. Vous devez rien voir, je suis désolé. Ok, ça va être un peu mieux. Ah, c'est pas encore parfaitement droit, je crois. Non, on voit, c'est pas encore parfaitement parallèle avec ceux d'à côté, là. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même fort beau. Qu'est-ce que j'ai pas connecté? J'ai pas connecté ça aussi. Voilà. C'est quand même fort beau. Eh bien, c'était magnifique. Putain, j'ai bien bossé, hein. J'ai bien bossé. Vous avez rien foutu sur le chat. Mais alors moi j'ai bien bossé. J'aurais pas perdu ma soirée comme vous. Fait un beau truc bien symétrique. Chaîne de production complète. Bravo moi. Bravo moi. Je m'adresse mes propres félicitations. Eh bien il est quasiment minuit. Minuit moins 20 les pépères. Le toit ne sert donc pas qu'à diminuer les UV. Oui c'est bien. Hein. Merci, j'ai jamais compris l'intérêt de ce jeu jusqu'à ce que je le teste et depuis je suis addict, dit Usando. Eh ben c'est très bien. Bravo Usando, je te souhaite des centaines et des centaines d'heures de plaisir dans Satisfactory. On va se quitter là. Prochain rendez-vous, je sais pas quand. Qu'est-ce que je voulais vous streamer? On fera du GeoGuessr cette semaine. Et puis, est-ce que j'ai des jeux à vous streamer? A priori non. On verra. On se trouvera des trucs. On aura de quoi s'amuser ensemble dans le monde merveilleux du vidéo gaming. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous remercie d'avoir été encore 753 492 personnes à nous suivre sur ce stream. Je remercie tous les gens qui sont abonnés. Et les gens qui ne sont pas abonnés aussi, ils sont gentils quand même. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.